pas merci. Ma maravilla. Ya se nipson absoy. Kala titi pay. Africa indépendance. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver une fois de plus dans cette autre édition matinale sur les antennes de la télévision panafricaine. Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé seront-ils de retour à Abidjan avant la présidentielle d'octobre prochain dans le pays? Nous nous interrogerons une fois de plus ce matin et rappeler que l'audience qui avait été demandée par le président, l'ancien président ivoirien, pour une liberté totale a eu lieu à la Cour pénale internationale. Ses avocats ont plaidé au nom du droit à la liberté, qui est un droit bien sûr fondamental. Ses avocats ont demandé à ce qu'il puisse être élargi totalement et qu'il puisse notamment rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre part au processus électoral à un moment crucial dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous tenterons donc de comprendre dans cette édition. Rappeler que bien entendu les avocats de la Côte d'Ivoire ont plaidé pour que Laurent Gbagbo pour que les conditions de sa libération puissent être conservées et donc pour qu'il ne puisse pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et toujours dans cette édition, nous allons au Cameroun tenter de comprendre si le mot d'ordre de boycott actif qui avait été lancé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, sera respecté à 48 heures pratiquement du double scrutin législatif et municipal qui se tiendra dans le pays. Sur le terrain, le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mobilise depuis près de deux semaines, tout comme de nombreux autres partis politiques d'opposition qui participent à ce double scrutin. Sauront-ils écarter ce boycott actif qui avait été lancé par le MRC? Nous nous interrogerons dans cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver en direct. Et voilà, merci de nous retrouver une fois de plus ce matin dans le cadre de cette autre édition de la matinale. Nous sommes samedi et ce jour, il n'y aura pas de rubrique bien sûr, il n'y aura que le débat et nos invités qui commencent à arriver dans ce studio. André-Christelle Fonria, bonjour et bienvenue. Et avec vous, on va commencer par le double scrutin législatif et municipal au Cameroun en nous demandant bien entendu si le boycott actif sera respecté au Cameroun. Rappelez que le mouvement pour la renaissance du Cameroun avait lancé ce mot d'ordre qui semble avoir touché la mobilisation. Vous revenez du terrain, vous êtes directeur de publication, vous allez certainement nous en dire plus parce que vous êtes sur le terrain de la mobilisation depuis un peu plus de deux semaines maintenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Guy Fondop, merci de m'avoir invité ce matin pour en débattre des problèmes qui concernent notre continent, le continent africain, avec des sujets assez importants. Et comme vous le dites bien, le double scrutin au Cameroun, le procès Laurent Gbagbo Blé-Goudé, donc nous pensons que nous allons apporter notre pierre à l'édifice, à la construction de cette Afrique qui doit être émergente en 2030 ou bien 2050 selon les statistiques. Donc nous pensons aujourd'hui que il y a une situation qu'il faut clairement dénoncer, c'est que on est en train d'assister à un réveil de l'Afrique, mais un réveil qui veut être étouffé par un groupuscule de personnes ou bien par certains États prédateurs. Nous pensons aujourd'hui qu'à la lumière de la situation, nous allons davantage apporter des éclaircies là-dessus pour que cette Afrique puisse se réveiller complètement, qu'on puisse sortir de cette situation qui a longtemps duré des années. Donc, maintenant, je veux dire bonjour à tous ceux qui nous regardent, à ma famille, à tous ceux qui nous regardent dans tous les quatre coins de la planète Terre et de notre continent, surtout africain, ceux qui nous regardent du côté de Ngelmundouka, dans mon arrondissement là-bas, dans un petit
village qu'on appelle Miambon. Mmh. Donc je voulais leur dire bonjour parce qu'ils sont nombreux là-bas aussi qui nous regardent. Mais pour revenir à votre première question, vous avez dit justement nous étions sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui la plus grande bataille, c'est cette bataille de mobiliser les électeurs. Tous les électeurs de tous bords, parce qu'il faut se dire clairement que le double scrutin ne concerne pas seulement les partis politiques. Même la société civile y est concernée, même les gens qui ne sont pas militants d'un parti politique sont concernés. Parce que, première des choses, c'est un devoir citoyen. Et ce devoir citoyen appelle tous les Camerounais de bonne volonté à aller au vote. Mais nous pensons qu'il y a un parti politique qui a lancé un mot d'ordre de boycott par rapport à ce double scrutin de ne pas aller aux élections. Nous pensons que aujourd'hui, ce mot d'ordre de boycott là est en train de tomber de lui-même parce que vu la mobilisation, vu l'engouement qu'il y a sur le terrain, nous pensons qu'aujourd'hui les résultats sont en train d'être atteints parce que moi j'ai fait plusieurs étapes de la campagne dans plusieurs localités, que ce soit dans le sud du Cameroun, que ce soit dans le littoral, que ce soit à l'ouest, que ce soit un peu dans le centre et un peu partout ailleurs. J'étais sur le terrain, donc j'ai vu une forte mobilisation des Camerounais. Pas seulement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des autres partis, de la société civile qui se mobilisent justement. Et moi, je me considère un peu de la société civile parce que nous avons aussi travaillé avec des jeunes qui, pour leur expliquer le bien fondé d'aller à cette élection-là. Donc, nous avons mobilisé des gens pour leur dire, mais il est bien de voter parce qu'il va de notre avenir. Parce que si nous n'avons pas de députés, si nous n'avons pas de maire aujourd'hui, que va devenir le Cameroun? Alors que si on va voter, on aura des députés, on aura des maires, on aura des gens qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale. Donc, il est urgent d'aller voter. Je pense que le mot d'ordre de boycott est en train de tomber de lui-même. Et même, j'ai fait un constat que même dans le village Lagwa, c'est le village où c'est un village à Baham. Vous comprenez que dans l'arrondissement, dans le département des Hauts Plateaux, qui est le village du principal leader de ce parti qui a lancé le boycott, j'ai vu des gens se mobiliser pour aller aux élections. Donc vous imaginez que même dans votre propre village, on vous rejette, on rejette le mot d'ordre de boycott. Ça veut dire qu'en réalité, les Camerounais sont matures et nous pensons aujourd'hui que cette agitation politique ne nous permet pas d'avancer. Nous pensons que, et d'ailleurs les propos de ce même leader politique, lui-même avait dit que le boycott des élections n'ont jamais produit de bons résultats, ne profite pas à la base. Aujourd'hui, nous voyons que lui-même est entré dans ce boycott et j'arrive souvent parfois à la conclusion que, mais en réalité, c'est comme si ce monsieur travaillait même pour le parti au pouvoir. Parce que donner cette brèche, parce que quand vous regardez, vous interrogez les gens sur le terrain, la plus grande crainte par rapport à ce double scrutin, c'était la crainte de ce parti-là. Parce que véritablement, les gens avaient beaucoup d'espoir en ce parti-là pour dire que non, vraiment, voilà quelqu'un qui peut apporter du répondant face à une machine électorale qu'on appelle le RDPC. Aujourd'hui, tous ces plans sont tombés à l'eau et d'ailleurs même certains candidats aux élections municipales et législatives ont jubilé après l'annonce de la non-participation de ce parti-là aux élections. Donc, nous voyons aujourd'hui que ça a permis l'envol l'espoir de certains et ça a détruit même l'espoir d'autres. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le mot d'ordre n'a plus son effet. Des gens sont en train de se mobiliser pour aller voter demain et nous pensons aujourd'hui que c'est une très belle bonne chose que des gens puissent se mobiliser pour aller à ces élections parce que ces élections vont déterminer l'avenir de notre nation. Parce que le président de la République, le président Paul Biya, a annoncé un Cameroun nouveau. Et un Cameroun nouveau doit se faire avec de nouveaux députés et de nouveaux maires. Et vous savez qu'il y a de nouvelles règles qui ont été mises en place. L'accélération de la décentralisation qui sera implémentée par les maires aujourd'hui et les conseillers municipaux que les gens vont élire demain. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a des projets porteurs pour notre nation et nous ne pouvons pas rester en arrière. Nous ne pouvons pas rester bouche bée. Donc nous devons accompagner ces gens-là et pousser. D'ailleurs, moi-même, je suis électeur dans l'arrondissement de Douala 3e, donc j'irai voter, et ma petite famille, et des gens que j'encadre aussi dans certains domaines de ma vie, on aura même une réunion demain, ce soir, où nous allons leur dire d'aller voter
tout le monde puisse doit aller voter normalement, parce que le mot d'ordre de boycott n'a pas sa place dans notre nation. Tous ceux qui ont boycotté les élections, vous avez vu les résultats. Vous vous rappelez des faits historiques après le boycott des élections de 97, je crois bien, législatif au Cameroun. Quand après l'élection de 92, il y a eu le boycott des élections 97. C'est là où on a vu l'émergence de certains partis. Et aujourd'hui, vous voyez que certains partis politiques de l'opposition sont émergents aujourd'hui parce que d'autres ont refusé d'y aller aux élections. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, le boycott n'a jamais profité à un parti politique ou bien à une nation. Les résultats, on les verra. Nous pensons que peu importe le nombre de personnes qui vont voter, ça sera des élus. Donc, il faut faire très attention. Mieux vaut aller voter parce que nous pensons que nos cités ont besoin de développement, ont besoin d'être véritablement décentralisées, que les pouvoirs qui ont été concentrés dans l'administration centrale puissent revenir à cette communauté-là. Et s'il n'y a pas de maire, s'il n'y a pas de conseiller municipaux, comment cette décentralisation sera effective? Donc, il faut aller voter. Si aujourd'hui, nous avons une assemblée nationale qui n'a pas de députés parce que les gens ne sont pas allés voter, nous voyons qu'on n'aura pas de loi, on n'aura pas un parlement qui pourra suivre l'action gouvernementale, qui pourra veiller sur les intérêts des populations, défendre les intérêts des populations. Donc, M. Guy Fondop, voilà ce que je peux dire en premier jeu par rapport à ce double scrutin, parce que nous pouvons constater que sur le terrain, il y a des mobilisations. Que ce soit, j'ai vu le SDF se mobiliser, j'ai vu le PCRN se mobiliser, j'ai vu le RDPC se mobiliser, j'ai vu le MEC, j'ai vu plusieurs partis, j'ai vu le NMP du président Banda Kane, d'ailleurs que je salue, qui a véritablement mobilisé sur le terrain. Parce que ça, vraiment, pour une première sortie, pour une élection sur le terrain, véritablement, j'ai vu ce jeune parti se mouvoir. Et vraiment, ça, bravo à tous ces partis-là qui sont en train de mobiliser par rapport à ces élections-là. Nous pensons que le boycott n'a jamais payé et ça ne payera pas. Alors, une mobilisation qui est, André-Christelle Fonga, qui est très loin de la mobilisation que l'on a vue pendant l'élection présidentielle au Cameroun, avec ce qu'on appelle au Cameroun des giga-meetings, des meetings extrêmement populaires. On en est très loin. D'ailleurs, côté Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est même pas dans la stratégie d'organiser ce type de meeting. Mais on a vu quand même que du côté de l'opposition, certains avaient quelques ambitions de mobiliser massivement pour faire une sorte de démonstration de force. Mais au final, on est toujours loin de la mobilisation de la présidentielle. Alors, de votre point de vue, est-ce que cet état de choses va se répercuter dans les urnes? Est-ce que les gens qui sont détenteurs des cartes d'électeurs vont se mobiliser pour aller voter dimanche? Bien sûr, je pense qu'ils vont se mobiliser. Première des choses, il faut comprendre, l'élection législative et municipale, c'est l'élection de proximité. Mais je vote Guy Fondon. Peu importe la couleur de votre parti que vous portez. Je ne suis pas candidat. Bien sûr, ça, c'est une illustration de un exemple que je prends. Pour dire quoi? Pour dire que parce que je connais M. Guy Fondop, brillant journaliste, alors j'irai voter pour lui. Merci. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas une affaire de parti politique d'abord, ce n'est pas une affaire d'appartenance à un parti politique, mais c'est une affaire d'affinité. C'est une affaire d'amitié, c'est une affaire de voisinage, parce que le conseiller municipal, c'est ton voisin, c'est ton frère, c'est ton cousin. Vous comprenez un peu? Donc, ça, l'élection de proximité, c'est ça la difficulté avec l'élection de proximité. Parce que ce n'est pas une affaire de parti politique. Vous pouvez être dans le plus grand parti politique, mais ne pas avoir la proximité avec l'électeur. Alors que vous pouvez être dans un petit parti politique, vous comprenez un peu, avoir la proximité avec les électeurs. Et c'est ça qui vous fait gagner l'élection. Parce qu'aujourd'hui, c'est une élection de proximité. Est-ce que les gens ont été avec vous pendant des années, ou bien ces personnes qui sont candidats au conseil municipal sont avec vous au quotidien? Est-ce qu'ils vont résoudre vos problèmes au quotidien? Parce que quand nous regardons les mobilisations aujourd'hui, nous pensons que c'est une affaire d'abord de famille, c'est une affaire de quartier, c'est une affaire de village, c'est une affaire des individus, d'amitié. Donc, ça ne peut pas avoir la même mobilisation, parce que la plupart aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des électeurs ne se trouvent même pas parfois dans les partis politiques. La plupart des électeurs sont des gens qui se sont inscrits en attendant de voir le programme politique de certains. Vous comprenez un peu, je prends par exemple de la présidentielle. La plupart ne s'inscrivent pas sur les listes électorales pour un parti. Ils s'inscrivent parce qu'ils veulent accomplir leurs devoirs citoyens, qui n'appartiennent pas à des partis politiques. Nous-mêmes, nous avons mobilisé des gens pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Et ce n'est pas parce que nous appartenons à un parti politique, mais c'est parce que nous savons que c'est un devoir citoyen. Aujourd'hui,
La même mobilisation ne peut pas avoir lieu, la présidentielle et les municipales et les législatives. Non, on ne peut pas avoir les terrains, les gigas et tout ça, meeting qu'on avait hier. Mais il faut dire quelque chose qui est quand même assez illustratif, c'est que nous avons vu un homme au Cameroun, le premier ministre, le Chief Dr. John Gauthé, qui quand même a pris le bâton de pèlerin. J'ai suivi un de ses discours à Douala où il a dit, par exemple, qu'il était mandaté par le président de la République pour essayer de, pour expliquer aux électeurs et expliquer aux citoyens le bien fondé de cette élection et pourquoi. Parce que le président de la République a déjà donné une vision, un canevas par rapport à au Cameroun nouveau qu'il est en train de vouloir bâtir. Et ce Cameroun nouveau, les jalons sont déjà posés. C'est-à-dire une accélération de la croissance avec le statut spécial par rapport au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, il y a plein d'enjeux qui sont par rapport à cette élection, à ce double scrutin. Donc, il a pris le bâton de pèlerin, il est allé un peu de partout. Je l'ai vu à Ebolova, je l'ai vu à Douala, j'ai vu les reportages à la télé au nord, au sud-ouest. Donc, nous pensons qu'il y a une forte mobilisation de ce côté-là, de la part du Premier ministre. Je pense que, comme le président de la République a donné des missions, ça a permis qu'aujourd'hui, on puisse avoir quelques mobilisations, grande mobilisation entre parenthèses, mais qui n'a pas atteint le niveau de la mobilisation de la présidentielle. Donc, il faut faire la différence entre l'élection présidentielle où on vote tout le président de la République, un individu, et maintenant où on vote beaucoup de personnes au conseil municipal et aux législatives et municipales. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous avez des listes de 61 conseillers, d'autres 51, je crois 41. Vous avez des listes des députés où il y a 4, peut-être Avouri Est, que je connais un peu bien, il y a 4 députés à voter et 4 suppléants. Donc vous imaginez, ce n'est plus une affaire d'une seule personne, c'est plusieurs familles qui sont mobilisées, c'est plusieurs quartiers qui sont mobilisés, c'est plusieurs cités, plusieurs villages qui sont mobilisés par rapport à cette élection-là. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, ça ne peut pas avoir le même engouement que l'élection présidentielle parce que, quand même, c'est un individu qui doit être président de la République. Aujourd'hui, c'est plusieurs individus et c'est fractionné un peu parce que chacun fait la campagne au niveau de sa base parce qu'aujourd'hui, c'est une question de base. Où vous êtes connu, où vous avez des personnes qui peuvent aller voter pour vous. C'est là-bas où vous mobilisez. Dans les mobilisations générales, et tout le monde est un peu dans son coin en grappillant l'électorat possible qui va aller voter par rapport à ces élections-là. Donc, il ne peut pas avoir de grands meetings comme... Et de l'une des choses aussi, il faut comprendre, il faut donner du respect à ceux qui méritent du respect. Parce que la non-participation du MRC a dilué un peu aussi les efforts des autres partis. Parce que d'autres partis s'étaient apprêtés fortement parce qu'ils attendaient l'opposition. Hein? Vous comprenez un peu cette opposition de ce parti-là parce qu'il y avait beaucoup d'espoir que ce parti-là devait apporter à la nation camerounaise ou bien dans certains départements, dans certains arrondissements. Mais quand le MRC a annoncé sa non-participation, alors là, ça a baissé un peu les bras et d'autres ont commencé à crier victoire avant même que l'élection n'ait lieu. Alors, le principal enjeu sera bien sûr la participation et du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on semble avoir compris et on tente de mobiliser surtout les électeurs pour que ces derniers puissent se rendre aux urnes dimanche et surtout qu'ils votent pour le parti des Flammes. La télévision panafricaine a suivi dans l'arrondissement de Douala 5e qui a été un arrondissement conquis par le mouvement pour la renaissance du Cameroun lors de la dernière présidentielle. La télévision panafricaine donc a suivi une candidate sur le terrain. Elle s'appelle Nathalie Nia Lengue. Elle est dans la liste de Richard Fongouan qui est la liste qui est présentée comme celle qui devrait en principe permettre au RDPC de pouvoir se repositionner donc après cette défaite. Je propose que nous puissions aller prendre le vent de la mobilisation sur le terrain avec ce focus où on voit très clairement comment le parti au pouvoir s'organise pour pouvoir mobiliser aux urnes dimanche et surtout mobiliser ceux qui sont détenteurs d'une carte d'électeur. Dans le 5e arrondissement de la ville de Douala au Cameroun, pas question pour Nathalie Flornia de voir son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, s'incliner à nouveau après une défaite essuyée contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC de Maurice Kamto lors de la présidentielle de 2018. Si le MRC ne participe pas au scrutin et prône le boycott, son électorat pourrait tout de même être mobilisé notamment sur une base identitaire.
28e sur une liste qui se veut ultra représentative des composantes sociologiques de l'arrondissement, conduite par Richard Feugouin, une importante figure du parti au niveau local. Nathalie Flornia et son équipe sont décidées à offrir au RDPC une victoire éclatante au soir du 9 février prochain. À son QG de campagne, installé dans son domicile, on s'active comme dans une ruche. Allée et venue des équipes, évaluation des missions, briefing, préparation des rapports et le téléphone. Ici, le maître mot est la proximité. Nul besoin de meeting populaire. Il faut convaincre un votant détenteur d'une carte d'électeur de choisir la liste du Parti des Flammes. Préparez-moi les jeunes détenteurs des cartes. Parce que comme je vous ai dit, notre campagne est scientifique. Nous nous adressons aux gens qui ont les cartes électorales. Nous n'allons plus crier en public. On dit le meeting, les 1000 personnes viennent et que là-dedans, il n'y a que 104. Le RDPC a dépassé ça. Et c'est pour ça que je vous félicite. Donc nous sommes prêts à descendre. Hier, nous étions à Sonloulou, vous avez vu, très loin de Bédi. On a aussi arrêté de se... On a aussi changé. Nous ne travaillons plus seulement en route. Nous descendons dans les bas-fonds, comme nous étions hier à... Voilà, c'est ça. Pour garantir la réussite de ces opérations de proximité, la candidate a constitué des comités de soutien dans tous les grands quartiers du secteur, notamment PK8, PK9, PK10 et la Cité des Palmiers, mobilisant sans distinction des jeunes leaders de quartier. Derrière chaque leader, au moins 6 personnes. Alors les leaders, ce sont ceux-là qui nous accompagnent tous les jours dans le porte-à-porte, avec mégaphone, avec tout ce qui... Et puis, ces leaders-là sont ceux qui ont fait des affiches. Ils ont fait les affiches. Donc, quand j'ai affaire, je repartis en 6 et le lendemain, j'ai les résultats. Afin de se rapprocher davantage des électeurs, la candidate reçoit de nombreux représentants de la base qui, dans la foulée de la mobilisation, n'oublie pas de faire quelques doléances. Comme ces dames d'un marché de la localité ayant récemment subi un incendie. Elles déplorent au passage le silence des autorités communales depuis l'incident. Peut-être le fait que sur le plan administratif, nous ne le gérons pas. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça qui n'a pas peut-être fait que notre mairie descende. Mais ça, je vous promets que désormais, pour ce genre de trucs, vous devez venir nous signaler. Si j'avais été, si on m'avait signalé, je serais personnellement descendu, comme je fais d'ailleurs d'habitude. Quand tout le monde me sollicite, je le fais. Donc vraiment, je vous présente toutes mes excuses. Mais quand c'est comme ça, venez me dire. Donc en tant que mère, en tant que femme, en tant que féministe, je vais passer, je peux passer, faire ce que je peux faire à mon niveau. Dans cette stratégie de proximité, il faut tout maîtriser, notamment l'affichage dans les quartiers. À mi-journée, la candidate fait le point avec une équipe revenue du terrain. Aujourd'hui, effectivement, nous avons deux descentes. Nous avons une descente avec les jeunes de la Cité des Palmiers et une autre descente à Bédi Plateau, c'est ça? Santa Rosa. À Santa Rosa, à Saint-Martin. Ok, non, je crois que vous avez mis ça sur le tableau déjà. Vous l'avez écrit sur le tableau. Non, je suis au courant. Nous allons y descendre. Porte à porte, mégaphone, tout est mis à contribution. Même une panne ne perturbe pas la ferme mission de contact restreint avec les populations. Vous allez être obligé de demander un renfort à la Cité des Palmiers d'abord, parce qu'on finit ça avant d'aller à Bédi, non? On commence à Bédi, donc vous allez renforcer à Bédi et ensuite on descend à la Cité des Palmiers. Et pour assurer le bulletin dans l'urne, le principal argument est le nouveau statut de la mairie avec l'accélération de la décentralisation. Mais avec la décentralisation poussée, l'État du Cameroun va mettre à disposition des mairies 15% du budget national. C'est important. Et pour des grandes mairies comme la nôtre, nous devons avoir au moins 8 milliards qui vont tomber sur nos petits 2 milliards qui étaient insignifiants. Donc ça veut dire des problèmes comme les vôtres. Ce sera vraiment pris en compte. Et il y aura également ce qu'on appelle des conseils de quartier. Dans les conseils de quartier, les marchés, les responsables de marché seront inclus dans ces conseils de quartier avec les chefs de quartier, les chefs de bloc et les personnes ressources. La journée terminée, elle se livre enfin sur le bilan du maire sortant de l'arrondissement qui a essuyé de nombreuses critiques depuis son arrivée à la tête de l'exécutif municipal. Sa Majesté Ibanda a beaucoup travaillé, mais compte tenu du budget très réduit, nous avons un budget d'à peu près 2 milliards l'an. Alors dans 2 milliards l'an, les salaires de la mairie c'est combien? Les charges de fonctionnement de la mairie, c'est combien? Donc en réalité,
il ne disposait que si je, en tant que comptable, quand je regarde bien les simulations, je vois qu'il ne pouvait réaliser qu'avec 1 milliard l'an. Et dans un fleuve comme Voury 5, vous voyez, on a beaucoup fait, on a le bilan, on a même le bilan de le bilan qu'il a sorti. Beaucoup de gens ne ressentent pas ça et pourtant il s'est beaucoup, beaucoup battu. Nathalie Flornia nous confie également les nombreux efforts du RDPC au niveau communal pour une victoire de la liste le 9 février. Personne ne dort. Personne ne dort. Il ne dort pas, non. Hier, on est parti à 1 heure parce qu'on devait travailler sur... On nous a demandé le bilan. Et moi, quand j'ai suivi le bilan, j'ai compris que j'avais à compléter mon bilan. Alors quand je suis revenu ici à 2h du matin, j'ai retravaillé ce bilan que j'ai donné au secrétaire. Il est en train de saisir en bas. Là, tout à l'heure, je le prends. Et les dossiers des mandataires, nous avons vraiment presque tout fini. Je le prends et je le dépose au QG général. On appelle le QG général, il est devant Sira, à Makepe, chez notre tête de liste, le président Fengwa Richard. Non. Parce qu'en ce moment, ce n'est même pas lui qui gère, c'est le départemental communal. C'est le président communal des élections qui est M. Gapano Michel. C'est lui maintenant qui nous gère parce que actuellement, le mot président de section, tout est terminé. Nous sommes tous des candidats et il y a un président de communal qui nous coiffe. Quoi. Je dis à mes potentiels électeurs qu'il s'agit des élections de proximité, des élections, comment on appelle, de mon pied, ton pied. Il s'agit de lier la maman que vous connaissez déjà sur le plan social. Vous connaissez ce qu'a fait cette maman. Plusieurs rentrées scolaires des enfants diminués, ils le savent. La dotation en forage, ils le savent. Ils connaissent qui est maman Nathalie. Donc, quand je vais même ceux des partis d'opposition, je suis convaincu que j'aurai leur voix. J'aurai la voix des partis d'opposition qui me connaissent et qui savent que je ne parle pas beaucoup, mais ce que je dis, j'ai fait. Le lendemain, la journée commence avec la même rigueur et les mêmes mouvements infinis des équipes au QG de la candidate. Et en mi-journée, coordination oblige, elle doit se rendre au QG communal pour un nouveau débriefing. Là, je vais au QG, là, il y a les bureaux de chez le président, le QG général chez le président Fengwa, remettre les documents que le président communal nous a demandé. Donc, il y a le rapport, il y a le rapport du budget de la campagne et puis le budget de mi-parcours. Donc, je suis en train d'y aller là, déposer aussi, finaliser mes listes de mandataires, ensuite récupérer les affiches et venir préparer donc la rencontre de demain matin avec les comités de soutien, avec les leaders en tête qui sont en ce moment en train de travailler. Voilà. Merci. Voilà, retour sur ce plateau, André-Christelle Fanga. On a plongé une caméra de la télévision panafricaine au cœur d'un QG de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'on comprend clairement que l'enjeu, c'est la mobilisation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui doivent absolument se rendre aux urnes et proximité, comme vous l'aviez précisé, oblige. Les uns et les autres sont conviés à voter des personnes qu'ils connaissent parfois et qui sont sur cette liste-là. Donc le facteur identitaire joue énormément. Alors pensez-vous que le RDPC va y parvenir et que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun pourraient être mobilisés dimanche ? Ils sont déjà mobilisés parce que la plupart dans les quartiers où je suis allé, j'ai vu des militants du MRC décider d'aller voter parce qu'aujourd'hui la plupart crient à la trahison parce que la plupart de ces gens étaient des leaders dans les quartiers, dans certains arrondissements et qui avaient l'ambition de devenir conseiller municipal et maire. Aujourd'hui que leurs ambitions ont été déjouées, à part la non-participation du MRC, donc aujourd'hui ils se mobilisent et ils accompagnent certains partis politiques à mieux conquérir cet électorat-là. Parce que nous, quand vous regardez et quand vous écoutez Mme Nathalie parler, vous comprenez que c'est l'objectif premier aujourd'hui parce que les militants du RDPC sont acquis à la cause. Et quand vous faites les statistiques, le RDPC a l'électorat bien précis et bien défini. Aujourd'hui, la conquête, c'est justement cet électorat qui aujourd'hui se divise entre l'opposition et le parti au pouvoir, c'est-à-dire les militants du MRC. Aujourd'hui, ces militants,
parce qu'il faut avouer qu'à Douala, quand même, ils avaient une bonne brochette de militants. Donc, il faut pas, c'était pas négligeable. Donc, reconquérir cet électorat-là est le travail assez important de tous ces gens qui sont, de tous ces candidats-là. Nous pensons que, par exemple, dans l'arrondissement de Douala 3e, j'ai vu justement des gens sont allés à Oyak, à Tergal et partout où le MRCF véritablement était implanté pour leur dire, mais pour leur faire comprendre le bien fondé d'aller à cette élection présidentielle et d'aller voter leur liste. Bon, ça, c'était les candidats du RDPC, qui conseiller municipal, qui convainquaient justement, qui étaient en train de convaincre ces gens-là d'aller voter. Donc, nous pensons aujourd'hui que cette élection, comme nous l'avons dit, c'est une élection de proximité. C'est une affaire identitaire même, à la limite, parce que c'est une affaire de famille. Vous n'allez pas voir votre cousin, votre frère dans une liste municipale et aller voter autre parti que de voter votre frère. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, cette élection-là est en train de mobiliser tous les partis politiques, tous les acteurs sociaux, tous ceux qui peuvent détenteurs d'une carte d'électeur. Il y a encore des indécis, ça il faut se le dire. Et je crois que, comme l'expliquait par exemple le ministre Jules Dorin Dongo dans l'Océan, il disait par exemple, le plus grand combat ici c'est contre l'abstention. Ce n'est pas que non, tout est gagné. Parce que le RDP seul, est seul dans certains arrondissements, dans certains coins. Donc, il faut aller voter. Parce que l'abstention, on veut, l'objectif, c'est 100%. Donc, nous pensons aujourd'hui que la plupart de tous ceux qui sont dans le parti au pouvoir et qui se sont mobilisés, dans leur objectif, c'est que c'est l'objectif pour certains, dans certains arrondissements, c'est la lutte contre l'abstention. Parce qu'il faut une forte participation. Il faut que des gens, au moins, s'ils n'ont pas atteint 100%, ils soient au moins à 80, 90 ou 99%. Donc, nous pensons aujourd'hui que ces électeurs qui appartiennent ou bien sympathisants de ce parti-là, du MRC, doivent comprendre que l'enjeu majeur, c'est l'élection de proximité. L'enjeu majeur, c'est ton frère, c'est ton voisin, c'est celui qui est à côté de toi. Donc, il faut aller le soutenir. Et nous pensons aujourd'hui que cette élection et la campagne finit, je crois, à minuit aujourd'hui. Parce que tout s'arrête aujourd'hui à minuit pour dire qu'il y a encore temps, il est encore temps pour que les gens puissent se mobiliser et pour que les gens encore puissent être convaincus. Et d'ailleurs, il y a des mobilisations, il y a des meetings de clôture aujourd'hui dans certains endroits. Donc, nous pensons qu'il faut davantage faire convaincre ces gens. Parce qu'il y a des indécis encore. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à aller à cette élection. Mais je pense que, comme on a expliqué et comme on continue à expliquer les enjeux de cette élection, l'élection de proximité, et c'est pour ça que le reportage que vous avez fait est très important. Et quand vous avez suivi cette dame qui est candidate à Douala 5e, elle a bien dit, aujourd'hui c'est aller dans les quartiers, dans les bas-fonds, ne pas rester superficiel ou bien organiser des méga-meetings, des terra-meetings, parce qu'on pense qu'on réunit 1000, 10 000 personnes, c'est ça, alors qu'à l'intérieur se trouve 100 personnes qui ont des cartes d'électeurs. Donc, je pense que c'est faut toucher du doigt. Il faut aller toucher du doigt l'électeur parce que l'arme aujourd'hui, la personne la plus importante aujourd'hui, c'est celui qui a sa carte d'électeur. Nous pensons qu'aujourd'hui, la mobilisation politique, et d'ailleurs, les cadres du parti au pouvoir, je les ai vus se nettoyer, la plupart des ministres, commençant par le secrétaire général du comité central, son secrétaire adjoint qui était à Bomban chez moi, dans l'arrondissement d'Abomban chez moi, et le ministre Grégoire. Nous avons vu le secrétaire général du comité central, le secrétaire général adjoint, nous avons vu le premier ministre chef du gouvernement qui est mandaté par le chef de l'État de descendre sur le terrain pour expliquer la vision du président de la République par rapport à cette élection-là. Donc, nous pensons aujourd'hui que les résultats sont... Et nous avons vu la mobilisation des ministres. J'ai vu dans l'Océan le ministre Jules Dorin Dongo. J'ai vu dans le littoral le ministre Laurent Esso et particulièrement le ministre Ngale Bibert qui est en train de faire des tours un peu de partout. Je l'ai vu dans l'Onkam, je l'ai vu dans la Sanaga Maritime, je l'ai vu dans le littoral, en train de faire un travail assez important. Donc, c'est les gens sont conscients que cette élection, le plus grand combat, c'est l'abstention. Le plus grand combat, c'est contre le boycott. Et il faut mobiliser à tout prix par rapport
à ce boycott-là. Donc aujourd'hui, voilà le plus grand combat, faire que les indécis puissent aller voter demain, à partir de demain matin. Merci à vous André Christelle Fanga. Et rappelez donc le principal challenge au cœur de ce double scrutin législatif et municipal au Cameroun reste l'abstention, le challenge de l'abstention. Fait en sorte que le maximum de Camerounais possible puissent se rendre aux urnes et voter. C'est l'objectif en tout cas essentiel du côté du parti au pouvoir. Et cela face donc au boycott actif qui avait été prôné dès le départ par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et notre principale interrogation ce matin, c'est est-ce que le parti au pouvoir et les autres partis d'opposition qui sont en lice dans ces élections parviendront à mobiliser l'électorat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vous reçois immédiatement sur ce plateau, patient parfait d'homme. L'on se demande parce que si on prend un arrondissement comme l'arrondissement de Douala 5e, où le MRC est arrivé en tête lors de la dernière présidentielle, c'est un département, c'est un arrondissement qui normalement est acquis au MRC. Et donc aujourd'hui, si on veut remporter cette circonscription, entre autres, il faudrait mobiliser les militants du MRC. Alors, de votre point de vue, quel est le parti aujourd'hui qui pourrait s'adresser à ces militants-là et les lever aux urnes dimanche ? Bonjour Guy, bonjour à Christelle, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs à travers le monde. Je pense que les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. Il faut faire très très attention parce que sinon si on s'en tient aux chiffres d'une élection précédente, on peut boucler complètement l'analyse. Or, la vie politique elle est dynamique, si on peut parler ainsi. D'abord, en ce qui concerne le boycott en tant que tel, les Camerounais boycottent les élections depuis plusieurs années. Le boycott des élections ne commence pas aujourd'hui. J'ai boycotté les présidentielles avec des arguments qui sont repris en partie par certains aujourd'hui, mais c'est de bonne guerre. Alors qu'à l'époque, ils refutaient les mêmes éléments en nous faisant croire qu'ils pouvaient battre le RDPC à son propre jeu. Premièrement. Deuxièmement, je vais prendre un cas simple. Prenez le cas de Douala 5e, justement. À Douala 5e, j'ai rencontré mon jeune frère, l'adjoint au maire Carlos Ngualem, qui remplit cette fois-ci, avec beaucoup de chance de pouvoir remporter d'ailleurs cette circonscription. Et il m'expliquait que pour les présidentielles, l'essentiel de ses militants et de ses sympathisants, SIF d'ailleurs, avaient voté pour le candidat de MRC. Alors que le SIF, dans la même période, avait un candidat à la présidentielle. Allez me demander pourquoi, je serais incapable de vous répondre là maintenant. Mais une chose est sûre, il m'avait rassuré que tu verras, pendant les élections législatives et municipales qui arrivent, les doubles scrutins qui arrivent, nous allons retrouver, n'est-ce pas, nos militants et nos sympathisants. Pourquoi ? Parce que là, l'enjeu est local. Cet enjeu qui est local oblige donc ces militants et ces sympathisants qui avaient l'habitude de voir l'un de leurs au niveau de l'exécutif communal de se mobiliser pour lui redonner cette possibilité de nouveau. Alors, on peut donc valablement se poser la question de savoir est-ce que une élection qui se passe cette année avec des résultats qui sont plus ou moins visibles, est-ce que cela peut être, comment dire ça, un outil d'analyse pour les élections à venir, sachant que, un, ce n'est pas la même élection, deux, il y a des fluctuations du point de vue des dynamiques, n'est-ce pas, qu'on va rencontrer sur le terrain, etc., etc. Donc, moi, je dis, rien n'est acquis, si et sûrement, si d'ailleurs nous étions dans une véritable compétition, c'est que je conteste, n'est-ce pas, aux élections camerounaises depuis des décennies. Je continue de dire que c'est le marasme en continu qu'on nous sert. Mais, n'oublions pas qu'il y a des forces qui traversent, des courants qui traversent. Je peux vous prendre le cas, par exemple, de la deuxième, où il y aura une confrontation entre les alliés d'hier, entre le NMP de Bandakané et le RDPC. Vous avez écouté le ministre Momo se plaindre à Tchang que ses principaux ennemis, ce sont les cadres et militants du RDPC. Donc, ce qui est important, à mon sens, c'est de constater, une fois de plus, que les Camerounais, comme ce fut le cas pour les élections précédentes, rechignent à aller aux élections tant que nous n'allons pas adopter et des lois et des institutions qui organisent ces élections-là de manière consensuelle. C'est ce que je peux vous dire, c'est ce que nous disons au niveau des forces progressistes, surtout l'Alliance patriotique. J'ai vu que encore hier à Yaoundé, Mme Kawala, M. Moutoudou de l'UPC Manedem et d'autres forces ont organisé une marche qui n'a pas été beaucoup reprise pour boycotter cette élection. Donc il y a des forces qui n'ont peut-être pas la faveur des médias,
il faut se le dire, parce que les médias apparemment ont choisi, soit tu es dans le camp de M. Biya, soit tu es dans le camp de MFC, alors qu'il y a d'autres forces politiques qui sont souvent même majoritaires, mais que dont personne n'en parle. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc je continue de dire que les élections d'hier, les vérités d'hier ne sont pas forcément les vérités d'aujourd'hui. C'est le terrain qui compte. Ce que je constate au contraire, c'est une nouvelle approche du LDPC qui a délaissé les grands meetings, comme ce fut le cas dans les, pour les présidentielles et dans les consultations des années précédentes, et est rentré dans une campagne de proximité vraiment qui ne dit pas son nom. Une campagne de proximité où j'ai vu des meetings de RDPC se faire dans les sous-quartiers avec 10 avec 15 personnes, allant tacler complètement les indécis dans leur maison. C'est une nouveauté que le RDPC n'avait pas souvent comme une stratégie politique, mais peut-être qu'elle adopte, qu'elle pique à l'opposition, ayant vu l'efficacité de cette manière de faire. Donc je continue d'insister que nous sommes dans une élection locale, législative comme le municipal, ce sont des gens que tu connais. Je déplore tout simplement que certains partis politiques, je peux parler de parti de M. Déby, ont beaucoup mis en avant l'image de M. Déby, au lieu de travailler suffisamment sur des candidats qu'ils proposent pour certaines circonscriptions. Ce n'est pas M. Déby qu'on va voter dans tout le Cameroun. Alors, si on enlève cette jeune dame, vous voyez dans leurs affiches, c'est M. Déby qu'on met en avant. Mais oui, mais M. Déby, c'est pas M. Déby qui est le conseil municipal de Douala 3e. Donc, il faut travailler sur l'image des candidats qu'on propose au peuple. Parce que c'est ce candidat-là que le peuple va voter. Le peuple ne va pas voter un candidat qui est un bandit, qui est un escroc, qui est un fémin, sous le fallacieux prétexte qu'il va compétir sur le label de M. Déby. Ça ne va absolument rien dire. C'est pour cela que la campagne de proximité est extrêmement efficace dans ce genre de compétition. Et j'ai vu les PUCS. Je tiens aussi à féliciter notre ami. Il est parti de Serge Espoir Matumba. Il compétit dans le BAM. Il fait sur des plateaux avec nous ici. Je crois que c'est bon ou non. Je l'ai vu aussi vraiment dans les villages, faisant des petits meetings. Ah, lui, c'est lui. Ah, voilà. C'est lui. Des petits meetings de proximité dans le BAM. Bah, je suis. Voilà, donc je dis que c'est quelque chose René Bonono Bakota, je tiens à le féliciter. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions quant au résultat final, mais je tiens à féliciter cette arme, cette volonté d'aller à la conquête de ces voix-là qu'on n'avait pas souvent vu sur la place politique. Merci à vous, patient parfait d'homme. La mobilisation reste donc le principal enjeu au cœur de cette élection au Cameroun. Qui mobilisera l'électorat du mouvement pour la Renaissance du Cameroun dimanche? L'interrogation se pose toujours. Parce que le mot d'ordre de boycott actif lancé par le MRC reste maintenu. Se demande du coup... Oui, une seconde. Attention, le MRC, je ne sais pas s'ils ont lancé le mot d'ordre de boycott actif. Parce que boycott et boycott actif, c'est deux choses différentes. Il faut faire très attention. Quand on dit boycott actif, cela veut dire qu'on va empêcher les élections de se tenir. Et vous savez ce que les conséquences que cela peut engendrer. Je pense, à mon sens, que le MRC a lancé un mot d'ordre de boycott qui retrouve les boycotteurs d'avant, traditionnels comme nous, et ça il faut le dire. Donc, si je ne me fais pas non plus d'illusions, il n'y aura pas une marée humaine qui aura devant les bureaux de vote. Et c'était le cas pendant les présidentielles. Ne donnez pas l'impression cette fois-ci que, oh, vous avez vu, vraiment c'était désert. Les présidentielles aussi étaient désert. Vous allez voir les chiffres qui vont sortir, que les candidats vont nous présenter. Le nombre d'électeurs par rapport aux présidentielles ne va pas exploser. Donc, une fois de plus, je continue de vous dire que. Regardez le peuple qui vous parle. Le peuple n'est pas d'accord avec ce type d'élection. Et une fois de plus, je dis que le MRC, à mon sens, à moins que j'ai été distrait, a parlé de boycott et non de boycott actif. Parce que boycott actif veut dire autre chose. Voilà, bien entendu, l'expression c'est boycott. Est-ce que ce mot d'ordre de boycott sera respecté? Rassurez-vous, c'est bel et bien ce que je voulais dire par là. Je m'en excuse si peut-être je suis allé un peu plus loin. Mais est-ce que ce mot d'ordre de boycott sera respecté, André-Christelle Fanga? Le RDPC va dans la proximité, on l'a vu tout à l'heure, en suivant une candidate sur le terrain. On mobilise jusque dans les domiciles. On convainc un homme détenteur d'une carte d'électeurs de se rendre aux urnes et de donner sa voix au Parti des Flammes. Dans la constitution des listes, on a mis le facteur identité en avant, justement pour aller à la conquête de cet électorat du MRC. On peut prendre le cas, par exemple, du Social Democratic Front, le SDF, dans un arrondissement comme celui de Douala 5e, où on voit clairement que des candidats ont été, que la liste a été bien préparée par rapport à la cartologie, par rapport à
à la représentation identitaire de cet arrondissement, ce qui pourrait permettre justement de lever des militants qui appartenaient hier ou alors qui appartiennent au mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui ce jour-là pourraient aller voter un cousin, un frère ou bien quelqu'un qui leur est proche. Merci Guy Fondop. Moi, je voudrais préciser une chose, c'est que cette élection, on a plus, la jeunesse est plus en avant. Parce que quand vous regardez les candidats, que ce soit au parti au pouvoir, que ce soit dans les partis d'opposition, vraiment la jeunesse a été mise en avant. Parce que quand vous regardez le rajeunissement de la politique aujourd'hui, c'est quelque chose de formidable. Parce que hier, les jeunes ne s'intéressaient pas trop à la politique, parce que les jeunes ne voulaient pas être conseillers municipaux, ne voulaient pas être députés, ne voulaient pas... Mais quand on regarde aujourd'hui la configuration politique aujourd'hui, nous pensons que la jeunesse a pris le devant au moins à 60% dans ces élections législatives et municipales. Donc ça, c'est, il faut s'en féliciter, parce qu'aujourd'hui, on pense et on commence déjà à réfléchir que demain, c'est notre tour à gouverner notre nation. Que ça commence d'abord par la gouvernance locale, puis maintenant la gouvernance nationale. Nous pensons, et d'ailleurs vous avez pris un exemple à Douala 5e avec Carlos Ngualem, qui est un jeune encore, parce que quand vous regardez sa jeunesse, nous pensons qu'il peut apporter quelque chose à cet arrondissement de Douala 5e, qui n'est plus seulement un arrondissement dortoir, mais qui est devenu presque une ville tout entière, où il faut des industries, il faut mobiliser des moyens pour créer des instruments important. Et d'ailleurs, je crois qu'il a la capacité d'apporter ce changement-là, ce renouveau-là. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, l'élection, c'est une affaire de proximité, comme nous le disons et nous le rappelons. C'est une affaire d'amitié, c'est une affaire de famille, c'est une affaire de club, des gens qui se connaissent. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas question de boycott ou bien de que militants du MRC. Non. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la différence entre l'élection présidentielle et l'élection municipale, c'est que on ne sait pas, on connaît l'individu qu'on vote, on vote, c'est un vote macro. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui y va. On ne sait pas, on ne fait pas beaucoup de différence entre les partis politiques parce qu'on veut choisir un homme qui va diriger la nation. Vous comprenez un peu. Donc, si vous êtes militant, vous n'êtes pas, vous allez voter. Mais nous constatons quand même, et d'ailleurs, je rejoins M. Parfendom, vous comprenez qu'aujourd'hui, les Camerounais ne sont pas très actifs au vote. Parce que quand vous avez les chiffres de 6 millions d'inscrits et que c'est 3 millions qui vont voter, sans compter dans les 3 millions, il y a encore les abstentions, il y a encore les bulletins blancs et donc les bulletins nuls. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on a moins de 2 millions et demi d'électeurs au Cameroun. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème grave. Il faut remobiliser les Camerounais pour aller voter parce qu'il faut quand même qu'au moins les 6 millions d'électeurs aillent voter. Alors, vous êtes dans une approche générale alors que nous nous intéressons ce matin à ce... Parce que Maurice Kamto et son parti sont arrivés deuxième lors de la présidentielle que vient de connaître le Cameroun, ce qui voudrait dire qu'il y a qu'il y a un groupe assez important de militants du MRC qu'il va falloir mobiliser pour remporter, déjà pour avoir un taux de participation qui soit acceptable dans cette élection présidentielle ou alors qui puisse être recommandable dans cette élection. Mais il se trouve aussi qu'il faut faire en sorte que ces personnes votent pour X ou Y parti pour que ces partis-là puissent facilement faire la différence vis-à-vis de d'autres partis. Alors la question maintenant, c'est quels sont, vous qui étiez sur le terrain de la mobilisation, quelles sont les dispositions qui auraient été prises dans les différents états-majors pour mobiliser ces électeurs du MRC? Je voudrais vous dire une chose d'abord. L'élection présidentielle, ceux qui ont voté pour le professeur Maurice Kamto aux élections présidentielles ne sont pas forcément militants du MRC. Vous comprenez un peu, parce qu'il y a des gens qui sont qui veulent le changement. Vous comprenez alors, un peu. La question, c'est comment faire pour mobiliser ceux qui avaient voté lors de la présidentielle pour Maurice Kamto. Bah exactement. On a suivi d'ailleurs le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Maître Jean de Dieu Momon, inviter clairement les militants du MRC à choisir les listes du PADEC dans la Menoua parce que, l'a-t-il dit, ils sont hyper majoritaires dans cette région, enfin, par rapport à la présidentielle, ils étaient hyper majoritaires dans la région et donc du coup, il a compris que pour avoir une victoire face au RDPC, il fallait aller lever ces électeurs-là. Alors lui, il a évoqué une base identitaire en précisant d'ailleurs que le chef de l'État l'avait choisi lui dans ce département-là et qu'il était important de pouvoir s'aligner derrière lui pour qu'il puisse porter le flambeau. Bref, c'est un argument qui a été développé. Mais on comprend clairement qu'il a voulu intéresser ses militants du MRC à sa manière.
Maintenant, vous qui avez suivi les candidats sur le terrain, est-ce que vous avez à un moment donné eu l'impression que ces personnes avaient une stratégie de conquête de cet électorat du MRC? Exactement. Je pense que tous, chacun d'abord travaille pour avoir l'électeur, peu importe du parti où il appartient. Chaque conseiller municipal, chaque personne qui travaille, qui est candidat, travaille de façon que tout électeur doit puisse le voter, même si c'est son adversaire. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont travaillé justement pour que l'électorat MRC. Et d'ailleurs, vous avez pris un bel exemple avec le ministre Momo qui a justement fait la talakou à ses militants du MRC de la Ménois, dans où il est candidat, et aussi à Douala 5e où il a des candidats aussi. Donc, nous pensons aujourd'hui que le militantisme aujourd'hui n'est pas, ou bien les convictions politiques, parce qu'il y avait ceux qui avaient des convictions politiques par rapport au MRC, que le MRC est un parti qui peut apporter quelque chose pour notre nation. Ce n'était pas forcément des militants du MRC, je le précise encore, parce qu'il faut faire la différence entre militants et sympathisants, ou bien quelqu'un qui a des fortes convictions à l'instant que ce parti peut nous apporter du changement. C'est pour ça que aujourd'hui, ces candidats aux élections essayent d'expliquer à tous ceux qui avaient cette conviction forte que le MRC est le parti de l'avenir, parce qu'il y a ceux qui ont des militants. Militants veut dire avoir, être détenteur d'une carte de ce parti-là. Et la plupart, aujourd'hui, ne sont pas détenteurs de carte, mais qui ont de l'amour ou bien une sympathie pour le MRC. Maintenant, comment faire pour que cette sympathie-là se retourne pour un autre parti ou bien pour cette élection municipale et législative? Et je pense que c'est ce travail que la plupart des candidats ont fait sur le terrain, parce que le parti du ministre Momo, quand il était sur votre plateau, je l'ai suivi, quand il a dit clairement, vous comprenez que c'est une manière de dire aux électeurs ou bien ceux qui avaient un sentiment ou bien un climat de sympathie ou bien de l'amour pour le MRC, de dire que mais non, moi je suis candidat, mon parti est candidat dans la Ménois et dans d'autres partis, votez-moi, parce que aujourd'hui, et il a même demandé même aux gens du RDPC de le voter dans certains arrondissements, de dire que mais eux ils ont déjà beaucoup, il en veut aussi juste un peu, vous comprenez un peu. Donc ça, je pense que c'est des arguments politiques, chacun essaye de grappiller. Alors, vous ne le dites pas clairement, vous ne nous parlez pas clairement d'une stratégie probable de candidat sur le terrain vis-à-vis des militants du mouvement, des électeurs du mouvement. Loin du programme politique, nous savons très clairement, patient parfait d'homme, qu'au Cameroun, les élections de proximité sont avant tout sont dominées par le facteur identitaire. D'ailleurs, la composition des listes de campagne, des listes de candidats, nous montre à suffisance qu'il y a une volonté réelle de mobiliser à travers le facteur identitaire, en mettant en avant un candidat qui appartient à une communauté qui est massivement représentée dans un arrondissement. Non, tout à l'heure, Guy, j'expliquais qu'il y a des dynamiques qui ne sont pas valables de manière immuable. Certes, il y a certaines qui sont comme des socles, mais d'autres évolutives et peuvent changer en fonction des élections. Ce que vous venez de dire fait partie de cette dynamique-là. Effectivement, quand on regarde la composition de listes, moi, par exemple, j'ai regardé les compositions de listes dans l'arrondissement de Douala Premier. Et là, je dis chapeau à SDF, qui a réussi le tour de force d'aller piocher l'un des maillons forts de RDPC dans un quartier comme Commandant Gijongan, j'ai vu son image tout à l'heure là, pour en faire un colistier de Joshua aussi. Et quand vous avez sillonné la ville de Douala, comme j'essaie de faire pour regarder ces meetings et pour vous rejoindre, vous voyez effectivement qu'il y a cette référence identitaire que chacun veut retrouver dans les listes. Ça c'est vrai, nous sommes encore à ce niveau de la politique, mais il y a aussi le fait que les gens ont tendance à voter pour la personne qu'ils connaissent le mieux. Si vous avez un voisin avec qui vous avez de très bons rapports, qui est dans une liste électorale, vous allez réfléchir par deux fois pour ne pas voter pour ce voisin sous le fallacieux prétexte que votre frère sera dans une liste, votre frère avec dont vous connaissez le manque de probité, serait dans une liste concurrente. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que dans les élections locales comme celle-là, c'est l'homme qu'on vote. On connaît l'homme, on connaît sa probité, ses valeurs morales qu'il défend, etc., etc. C'est cet homme-là qu'on vote. C'est pour cela que ces candidats ont souvent tendance à aller dans le corps à corps avec les individus, dans des réduits, dans des parties de maison, pour essayer de le convaincre. Parce que pour l'instant, force est de reconnaître que
la plupart de nos partis politiques n'ont pas encore fait un maillage du territoire suffisamment fort pour, d'un claquement de doigts comme ça, donner des mots d'ordre qui passent. Donc c'est ça, c'est cette bataille-là dont il s'agit. Moi je pense, et je reviens, vous vous souvenez, pendant les présidentielles, quels sont les éléments que nous avons mis en avant pour dire que cette élection-là n'était pas la meilleure chose à faire pour l'instant, et ces éléments sont valables pour aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait la crise au Nozo, avec cette guerre qu'il fallait régler. J'avais parlé de grands dialogues nationaux inclusifs, qui est devenu plutôt un dialogue pour résoudre la question anglophone. J'avais parlé de la question de la loi électorale qui n'est pas du tout bonne. Il nous fallait des élections à deux tours, il fallait majorité à 18 ans, il fallait qu'on remette des cartes aux gens dès leur inscription, etc., etc. J'avais parlé de la composition de l'ECAM, qui pour moi demeure toujours un comité de base des RDPC. Mais certains qui portent le boycott aujourd'hui, bravo, j'ai dit bravo qui portent le boycott, m'avaient répondu que la politique de la chaise n'était pas une bonne chose et qu'ils allaient battre billard à son propre jeu. On avait la suite. Donc, vous pensez que les Camerounais sont aussi bêtes pour dire que hier, quelqu'un qui a validé une élection avec tous les éléments qu'il reprend aujourd'hui à son compte, est-ce que vous pensez que c'est un gage de crédibilité? Donc, il faut faire attention. Vous pouvez peut-être même voir l'effet inverse qui peut se produire pour dire que, uniquement pour punir ces gens-là, et moi, je vois ça, pour punir les gens-là qui appellent au boycott aujourd'hui, alors que les éléments qu'ils mettent en avant étaient les éléments qui étaient encore plus accentués lors de présidentiel. Nous irons voter. Moi, je vois des gens aussi qui le disent. Hein. Je vois aussi beaucoup de gens qui le disent. Donc, le problème ici, ce n'est pas de dire qu'enfin tel a lancé un mot d'ordre. Moi, je vous dis que depuis des décennies, le peuple camerounais boycotte les élections. Si vous ne le voyez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas. Il y aurait des gens qui seront élus maires. Non, je veux dire députés, là, avec moins de 1000 voix, vous allez voir. J'aimerais qu'on refasse une élection, des émissions après les élections, pour qu'on voit avec quel pourcentage de voix certains ont été élus et conseillers municipaux et maires. Vous serez effarés de constater que c'est un désert électoral qui est au Cameroun. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je continue d'insister là-dessus. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour cela que j'en appelle au pouvoir public de faire attention. Il nous faut des règles consensuelles. Si nous n'avons pas ces règles consensuelles, là, je ne suis pas sûr que nous allons continuer à avoir une démocratie à la hauteur de nos espérances. Bon, je ne vais pas parler de mon parti, l'UPC, où le parti au pouvoir a carrément installé des mercenaires à la tête du parti et qu'ils ont fait du n'importe quoi, au point où aujourd'hui, c'était plutôt une tentative, mon ami Nouga Maurice, une tentative d'évacuer complètement l'UPC de la scène politique, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de 55, avec ce décret-là qui exclut complètement l'UPC de la scène politique. Ça n'a fait que continuer. Le ministre Frétien qu'on a là avec le combat Matin Bouamasso, ce n'est que, comment on dit ça, un pis-aller. Mais tout le monde sait que la volonté de pouvoir pour cette élection était d'évacuer ce problème, ce parti de la scène politique, parce que ce parti gêne, et gêne sérieusement. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème par rapport à votre question, c'est de dire que j'ai vu des efforts qui ont été faits. Ah, j'allais oublier la liste de l'UDC aussi à Douala Premier, même à Douala Deuxième, à Douala Premier conduite par notre cher aîné Cyril Sambaka. On a vu comment il y a des panachages. Vous avez vu, par exemple, à Douala Deuxième, avec l'agent Omer Wafo, une coalition SDF, UDC, UPC, et je crois PCRN. Attention, c'était jamais vu. Mais pour la première fois, j'ai vu des banderoles pareilles. Pourquoi? Parce que les autres ont conscience du rôle compresseur qu'est le RDPC aujourd'hui. Donc si on veut aller contre le RDPC, il faut justement ce type de concertation et de mise en commun des synergies pour essayer de limiter la casse, si on peut parler comme ça. Mais sinon, tel que c'est parti, le RDPC ira en roue libre pour avoir encore une majorité obèse au niveau de toutes ces institutions qui seront concernées par ces élections. J'insiste donc là-dessus. Pour qu'on ait une démocratie dynamique, pleine de vitalité, il nous faut des véritables matchs. Il faut des règles consensuelles. Les règles actuelles ne sont pas bonnes. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Pendant les présidentielles, elles n'étaient pas bonnes. Les éléments que c'était mettre en avant étaient aussi valables pendant les présidentielles. Donc, je parle comme ça pour dire à l'ensemble du peuple camerounais, mais surtout de nos pouvoirs, si vous allez à l'issue de cette élection, vous aurez une victoire à la Pyrrhus comme d'habitude. Mais ce ne seront pas des victoires qui vont permettre justement que la décentralisation dont nous vantons comme ça soit effective, que enfin nous aurons des administrateurs, des administrations qui sont proches des administrés, qu'on ait l'implication des populations dans les prises des décisions à la fois communales, régionales et sur le plan législatif, qui reflètent
réellement la volonté de progrès, de changement de l'ensemble des populations de notre pays. C'est là la grosse équation. C'est pour cela que nous, quelqu'un comme moi, je continue d'appeler au boycott. Parce que je ne vois pas ces éléments-là qui se dessinent dans les différents cadres qui se... Maintenant, au niveau des programmes. Les programmes sont un peu comme le copier-coller. Hein. Je vois tel parle d'une chose, l'autre candidat parle la même chose. On n'avance pas comme ça. Il n'y a pas d'innovation majeure. Bon, en dehors de Kouales Moualem qui a parlé des unes à pavé, apparemment c'est une innovation au niveau de SIF. Mais en dehors de ça, je n'ai pas vu, c'est-à-dire sur le fond, des éléments majeurs qui viennent complètement apporter quelque chose de nouveau au niveau des propositions qui sont faites. Et l'on s'interroge, est-ce que mobiliser dans cette élection, dans ce double scrutin législatif et municipal au Cameroun, veut dire avoir un meilleur programme de campagne? On a l'impression, quand on suit les candidats, notamment dans les opérations de porte-à-porte, que le programme en lui-même ne compte pas véritablement. On essaie plutôt d'intéresser d'abord sur la base identitaire, puis par la suite sur la base de ce que pourraient gagner les personnes qui sont en face. Monsieur Guy Fondo, vous avez posé là la question fondamentale. Est-ce que ces candidats ont un programme politique? Quand vous regardez aujourd'hui tous ces candidats, je prends le cas du RDPC où j'ai beaucoup suivi, vous allez retrouver que c'est le président Paul Biya, président Paul Biya, président Paul Biya, président Paul Biya, président Paul Biya. Tous les discours sont président Paul Biya, président Paul Biya, président Paul Biya. Mais je me pose la question, est-ce que c'est le président Paul Biya qui est encore candidat? On dit aujourd'hui, c'est une élection de proximité. Vous, en tant que conseiller municipal, vous, en tant que maire, qu'est-ce que vous allez faire pour votre arrondissement? C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on rabâche les oreilles des gens avec président Paul Biya. Président Paul Biya a déjà gagné son élection. Il était candidat en 2018. Il a gagné son élection haut la main. Aujourd'hui, vous revenez encore avec le président Paul Biya dans toutes les banderoles Paul Biya. Et aujourd'hui, on voit même plus les ministres de Paul Biya en campagne que tout le reste. Parce que quand vous allez voir la mobilisation, même la titraille des journaux aujourd'hui, le ministre tel fait telle chose dans la Sanaga maritime, le ministre tel fait telle chose à Maroua, le ministre tel fait telle chose dans le Noun. Mais c'est plus les ministres qui sont au devant de la scène. Les candidats eux-mêmes sont où? Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que les candidats devaient être plus proches de la base avec un programme politique. Parce que justement... D'ailleurs, cela a conduit à une circulaire du président régional de la campagne du RDPC dans le littoral, le ministre de la Justice, Laurent Aissot, qui a dû faire une note pour dire aux candidats de parler de la liste et non de parler d'eux-mêmes. Oui. Donc, et autres acteurs politiques. Oui. Bien sûr, nous pensons qu'aujourd'hui, en dehors des réalisations, pour ceux qui étaient déjà candidats ou bien qui étaient déjà députés ou maires, de présenter leurs réalisations et de présenter ce qu'ils ont pu faire en tant que conseil municipal. Aujourd'hui, de présenter quand même des projets fiables par rapport à cette jeunesse. On sait qu'il y a l'accélération de la décentralisation qui arrive. On sait qu'il y a la décentralisation. On sait que le président de la République a balisé le chemin parce que c'est son programme politique qui englobe tout l'État du Cameroun par rapport à la décentralisation, par rapport à tout le reste. Mais nous pensons aujourd'hui que comment tu vas faire pour implémenter cette décentralisation? Parce qu'aujourd'hui, ces maires, ces députés, c'est eux maintenant les acteurs sur le terrain de ce grand programme national de révolution que le président de la République a posé sur la table. Comment on va faire pour que la décentralisation puisse toucher chacun des individus, chaque Camerounais, là où il se trouve? Que chez moi, Angel Munduka, qui est de l'eau, des routes et des hôpitaux et des médecins et de tout le reste, que à Bodmak, un peu de partout, qui est des routes, qui est des choses, des investissements, comment ces maires-là vont implémenter cette stratégie globale du président de la République? Nous ne nions pas que le président de la République a été élu sur la base d'un programme politique. Maintenant, vous qui êtes les acteurs sur le terrain, vous qui allez aux élections là, vous demandez nos suffrages. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce programme là? Parce que je comprends, et d'ailleurs j'étais en train de lire le programme politique, ou bien j'ai lu la présentation d'un candidat d'un parti de l'opposition qui parle encore de fédéralisme, alors que le programme global, le fédéralisme a déjà échoué, n'est pas un programme politique adopté par le Cameroun. Celui qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun, qui est le commandant en chef du bateau Cameroun, le président Paul Biya, parle de décentralisation. Donc,
Si vous revenez, vous, en tant que candidat de proximité avec fédéralisme, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes en déphasage avec la nation camerounaise. Vous n'allez rien apporter. Ça veut dire que vous serez bloqué dans tous les domaines. Si on vous donne des suffrages, ce sera un suffrage inutile. Donc, nous pensons aujourd'hui que ces gens, ces candidats, doivent nous dire clairement qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain. Alors, est-ce que cela pourrait compter? Parce qu'on n'a pas l'impression, en même temps que quand on suit ces meetings-là, que les populations réellement attendent de savoir très exactement quel est le projet mené, porté par telle ou telle liste. On a davantage des personnes qui posent un certain nombre de conditions parfois, qui demandent même parfois des garanties par rapport à... on a l'impression qu'il s'agit avant tout d'un clientélisme politique patient parfait. Donc. Oui, il y a beaucoup de ça. Là, vous avez parfaitement raison. Parce que quand vous écoutez les doléances souvent des populations, vous avez des candidats, vous vous posez la question vraiment si nous ne sommes pas dans un jeu de dupes où les gens espèrent qu'on va leur promettre des choses dont ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas. Et là, c'est incroyable. C'est ça qui fait un peu la vacuité de la consistance même de cette campagne. Vous voyez des gens qui racontent des choses. Donc, ils savent que l'auditoire en face n'y croit pas, mais il leur dit quand même pour essayer de le contenter. Mais je crois que les gens entendent des choses concrètes tout à l'heure. Et Christelle Fangoua était en train de dérouler. Les gens ont des problèmes sérieux. J'étais étonné dernièrement dans un quartier de la ville de Douala qu'on appelle Bédi, de constater que les gens se font rationner de l'eau. Je croyais que ce sont les histoires de Yaoundé. Vous voyez un gros temple de Camboiteur qui donne à des heures précises à quelle heure il va passer, et les gens sortent avec des bidons, avec des seaux d'eau pour recueillir un peu d'eau. C'est incroyable. Donc voilà des problèmes. Les problèmes concrets. Comment faire pour que, au moins au niveau des municipalités, maintenant qu'on parle de décentralisation, on puisse rendre l'eau potable accessible à l'ensemble des populations du quartier? C'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Je ne parle pas des coupures en un plan fini de M. Enéo. On ne comprend plus rien. Il y a des nouveaux barrages qui ont été mis en fonction. Mais regardez, dans nos quartiers, on coupe la lumière à temps et à contre-temps. Les enfants dorment dans le noir total. Ils sont dans l'incapacité de réviser très bien leurs leçons. On ne sait plus où aller. On a vu même l'apparition de groupes électrogènes dans quelques domiciles. Oui, nous avons assez... on nous appelle les aboyeurs avec certains, mais on a assez gueulé ici sur l'état des infrastructures routières dans une ville comme Douala. D'accord, on voit qu'il y a quelques reprofilages qui se font à gauche, à droite. Il y a de nombreux échanges également qui ont été construits. D'ailleurs, cela a été suivi lors du meeting qu'a animé le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est venu appuyer les candidats du RDPC dans la région du littoral. Oui, mais c'est l'État qui le fait, ce n'est pas le RDPC qui le fait, il faut faire attention. Ce sont des réalisations de l'État au service des Camerounais. Notamment avec l'Agence française de développement, ça, bon, voilà, il faut le dire. En plus. Oui. Donc, on voit ça, on dit ok, merci. Mais qu'on n'attend pas qu'il y ait des crises majeures comme la crise précédente que nous avons vécue, où beaucoup d'entre nous avions cassé, et voitures, et je ne sais pas, motocyclistes, etc., etc. Il faut qu'il y ait des services en permanence dans toutes les communes qui ont pour fonction, c'est ce qu'on appelait le service de la voirie urbaine, pour essayer de voir que vraiment au niveau de la voirie urbaine tout est impeccable. Et il y a des compétitions sportives continentales qui arrivent. Il faut quand même que nos villes, ou au moins cette compétition, se recharge complètement de visage du point de vue de la voirie urbaine. Il faut revenir à donner des capacités à la commune pour pouvoir avoir des engins qui sont en capacité d'arranger là où il y a tout par là, ou bien là où il y a... Merci à vous, patient parfait d'homme. C'est l'instant consacré aux téléspectateurs qui nous ont suivis depuis un peu plus d'une heure maintenant et qui doivent intervenir. Vous connaissez le concept de l'émission, bien entendu. Et donc, on va donner la parole aux téléspectateurs, très certainement des Camerounais qui vont nous dire s'ils iront aux urnes demain, dimanche. Rappelez que voilà, les bureaux de vote seront ouverts donc demain, dès 7h, vous nous donnerez l'heure exacte, voilà, vous qui revenez du terrain. Tout à fait. Parce que selon le chronogramme des LECAM, tous les chefs de bureau seront déjà installés à partir de 6h30. Tout à fait. Donc vous pouvez aller voter avant d'aller à l'église, par exemple, ouvert. Si vous êtes chrétien. Ouais. Vous pouvez aller voter avant d'aller à l'église. Vous pouvez aller voter avant de venir passer votre dimanche à la maison, si vous le souhaitez, bien entendu. Bien sûr. Et voilà, on va poursuivre avec le standard et quelques appelants qui nous diront très certainement ce qu'ils pensent du mot d'ordre de boycott qui avait été lancé par le MRC. Et ils nous diront très certainement s'ils iront aux urnes demain, dimanche ou pas. Bonjour et bienvenue. Bonjour.
Bon. Bonjour, Bifondon. Bonjour. Salut, Pardon. Je salue André Christel, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Bifondon, avant d'intervenir sur les deux sujets, je voulais quand même saluer tous nos gars qui sont ici avec nous et qui nous ont soutenus. Commencez par le président de la coordination SPI en exil, M. Kone Katina, Dom Nino, Voilà, malheureusement, Pasteur Soa, nous avons perdu votre signal. Recontactez-nous, pourquoi pas, pour prendre la parole. Et voilà, les Camerounais surtout, nous vous attendons au téléphone, et via notamment le 237 qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous retrouver par ce numéro très très rapidement pour nous dire pour nous présenter vos projections sur cette journée électorale de demain au Cameroun et nous dire ce que vous pensez notamment de la mobilisation de l'électorat du MRC qui va compter dans cette élection. On vous l'a démontré sur ce plateau quand on prend un département comme celui de la Ménois où le RDPC ou le MRC est arrivé largement en tête. On voit très bien que c'est cette mobilisation-là qui départagera finalement les différents candidats en lice, ou les différentes listes qui ont été présentées dans ce département-là, et comme dans de nombreux autres départements du Cameroun où le MRC était arrivé en tête. Alors, de votre point de vue, est-ce que la mobilisation actuelle permettra de lever en partie ou bien de lever cet électorat MRC ? Nous nous interrogeons avec vous. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Afrique Média, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonjour spécial aux braves hommes et femmes qui travaillent dans l'ombre, surtout à Miss Honoré qui nous permet de communiquer avec le monde ce matin. Bonjour à vous Monsieur Guy Fondop, bonjour à Monsieur André Christophe Anga, bonjour également à Monsieur Parfendom et merci une fois de plus, hein, vous qui ne cessez d'apporter votre soutien au continent africain et à la cause camerounaise en ce moment. Je salue également Marc de la France, Monsieur Zéphane du Canada et Monsieur Zéphane de Bujumbura. Monsieur Guy Fondop, à 30 ans, je parlerai plutôt de moi. Je vais parler de moi parce que je suis d'ici quelques jours, j'aurai 30 ans. Donc, à 30 ans, on est déjà majeur, on est mature et on se doit de prendre des décisions pour soi-même. Je pense que le mot d'ordre de boycott de ces élections qui vont se tenir demain n'a pas lieu d'être suivi, à mon sens, parce que déjà il y a un nouveau Cameroun qui va émerger à l'issue de ces élections. Nous avons vos panélistes ont fait la différence entre l'élection présidentielle et l'élection de proximité. Cette élection s'y permet aux électeurs de choisir l'homme qu'ils ont souvent côtoyé dans leur environnement, l'homme qu'ils connaissent le mieux, celui-là qui est capable de pouvoir laisser de côté ses activités, ses propres intérêts pour pouvoir apporter le soutien aux populations. Si je prends par exemple le cas du président Badakani que je connais, je vous assure que demain, mon vote ira au NMP. Pourquoi? Parce que nous avons vu les réalisations, nous avons vu son soutien ici du côté de Texaco Aéroport. Donc, Monsieur Guy Fondop, je ne pourrais pas parler pour tout le monde, mais il faudrait que les Camerounais qui veulent avoir le changement, ceux-là qui sont assoiffés de changement, partent aux élections et choisissent le candidat qu'ils trouvent à même de pouvoir réaliser le projet qui leur a été communiqué. Parce qu'il y a comme l'a dit Monsieur Papendom, il y a des gens qui promettent monts et merveilles alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables de le réaliser. Nous voulons des choses concrètes. Il ne faut pas aller dire que vous allez donner de la lumière à tout le monde alors que vous êtes incapable d'entrer en contact avec la société qui produit de l'électricité au Cameroun. Donc, moi, j'encourage, je souhaite que tout le monde aille voter demain. L'élection présidentielle est différente de l'élection de proximité parce qu'à l'élection présidentielle, même étant au nord, vous voulez avoir un homme à la tête de l'État qui pourra impulser le développement. Mais contrairement à l'élection de proximité, vous savez avec qui vous vivez, vous savez avec qui, vous savez qui est-ce que vous allez voter parce qu'il est avec vous, il est dans votre commune, dans votre municipalité. Donc, c'est pourquoi moi j'encourage tous les jeunes à aller voter parce que les grands meetings dont vous avez parlé, Monsieur Guy Fondop, il y a beaucoup de personnes qui assistent aux meetings et qui n'ont pas de carte. Ils viennent pour écouter la musique, ils viennent pour danser, ils viennent pour des fins personnelles. Mais alors que l'élection de proximité, chacun a sa carte dans sa poche et il sait pour qui il ira voter. Donc, il ne faut pas encourager le boycott.
que les nouveaux, et j'ai vu, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Il faudrait donc que ces jeunes-là fassent leur preuve, qu'on les vote et qu'ils viennent apporter un nouveau souffle à ce nouveau Cameroun qui est en train de vouloir naître. Merci à vous, M. Guy Fondop, et je vous souhaite un très bon week-end et bonne continuation. Merci, merci à vous, Margot. Pour vous, il faut absolument aller voter. Vous invitez les Camerounais à se rendre aux urnes demain pour désigner ceux-là qui seront leurs représentants au niveau local. Merci pour votre contribution. Un autre appel. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à toi mon très cher frère Guy Fondop, un plaisir de t'avoir ce matin, un grand bonjour aux téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde, un grand bonjour aux standardistes et techniciens, bien sûr un bonjour à tes deux panélistes de ce matin. Alors, mon cher frère Guy Fondop, je vais aller rapidement. Parlant de boycott, mon cher frère, qui est effectivement, qui est au Cameroun, l'élément de boycott même, l'élément qui empêche effectivement la jeunesse à aller aux urnes, c'est le pouvoir en place, RDPC en place. Quand je dis le pouvoir RDPC, c'est tout à fait normal parce que le chef de l'État est président du RDPC jusqu'aujourd'hui. À moins qu'on me prouve le contraire, mais jusqu'à l'heure où je parle, il est président du parti politique en même temps président de la République. Donc, c'est le pouvoir RDPC qui a longtemps empêché les jeunes d'aller aux élections par son extrême mal gouvernance, par le mauvais leadership et en plus de manière plus vérifiée et vérifiable. Par le fait que, mon cher frère, la délivrance des cartes d'identité aujourd'hui au Cameroun, c'est et le passeport et que toutes les pièces hein, qui permettent généralement à un citoyen de pouvoir s'enregistrer dans ce processus-là, cette délivrance est parfois un chemin de croix. Hein. Donc, c'est pas parce qu'un parti a dit qu'on boycotte qu'on va se cristalliser sur cela. De manière foncière, c'est le pouvoir en place qui a toujours contribué au boycott, à ce que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Le chef d'État lui-même, heureusement que l'histoire est bien, a affirmé la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, juste pour tromper la jeunesse, afin que cette jeunesse a continué à subir l'immense et l'abyssale précarisation dans laquelle le pouvoir met les jeunes afin de les instrumentaliser comme des zombies. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je pense simplement aujourd'hui que le taux de participation qui est dans un contexte normal, un élément de mesure sérieux, ce taux de participation-là, même si je peux spéculer qu'il ne sera pas grand, mais le pouvoir, parce que c'est la nature du pouvoir, il faut le comprendre, c'est la nature du pouvoir, tant à Yaoundé, tant à Abidjan, c'est une nature de pouvoir qui fabrique les taux de participation, qui fabrique les maires, qui fabrique les conseillers municipaux, c'est-à-dire qui partage. Parce que dans ce type de système, le pouvoir de transformation de la société, malheureusement, se trouve au cœur, c'est-à-dire au niveau du totem. Et le totem, je pèse bien mes mots, le totem se trouve au pouvoir exécutif, c'est-à-dire à Yaoundé, à Itoudi. C'est là-bas, avec 134 députés déjà presque acquis, et contre 38 ou 36 pour les partis qui se passent là, l'histoire a montré que rien n'a jamais changé dans les localités, parce que le cœur même du système de transformation se passe au pouvoir, chez celui qui a le pouvoir, parce que dans ce système quasi-dictature, parce que certains vont me dire, on nous permet de parler sur les antennes. Non, c'est ce qu'on appelle stratégiquement pour cette nature de pouvoir, la liberté de bavardage, parce que la liberté d'expression, c'est un tout. C'est un tout, c'est un ensemble. Il ne s'agit pas de venir seulement parler sur les plateaux. Après ça, on fait quoi? Est-ce qu'on marche pour exprimer? Et quand on marche même dans le droit, les enseignants, vous avez vu derrière moi, c'est les pouvoirs qui n'aiment pas. Qui n'aiment pas ceux qui enseignent, ceux qui donnent le savoir, il faut absolument les briser afin de garder la jeunesse dans cet état de manipulation, afin de garder les familles dans des états de précarité hein, où les parents ne peuvent plus asseoir leur devoir véritablement vis-à-vis des enfants. Et c'est toute une structure qui s'affaisse depuis plus de 35 ans, voire 38 ans, pardon. Donc moi je dis simplement que cette élection-là, c'est fait par le régime en place. Pour, aux yeux de la communauté internationale, ils vont faire un forcing dans le nozo, ils vont proclamer les résultats. C'est pas un secret de polichinelle. Pour confirmer à la communauté internationale, non, vraiment, ne nous mettez plus la pression parce que nous avons fait quelque chose. Mais cette communauté internationale, malheureusement, ce sont des prédateurs. Ils voient ce que nous, les citoyens, nous ne voyons pas. Ils ont tout. Si vous rapprochez donc, un peu, je pourrais... Plus
plus votre signal, Patrick Coinguet. Merci en tout cas de nous avoir retrouvés ce matin pour nous dire ce que vous pensez de cette journée électorale au Cameroun et aussi nous dire ce que vous pensez du mot d'ordre de boycott qui avait été lancé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. On l'a dit sur ce plateau, Passion par Fandom, l'électorat du MRC est extrêmement courtisé depuis la constitution même des listes jusqu'aux campagnes de proximité sur le terrain. Ils sont courtisés de nuit, de jour comme de nuit, pratiquement. Bon, effectivement, tous les électorats sont courtisés. Pour ceux qui connaissent un peu bien le Cameroun, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous savez, dans certains secteurs, dans certains quartiers, et là vous avez raison, c'est l'affiliation qui compte. Vous allez dans des secteurs où vous avez vu les candidats qui parlaient dans leur langue maternelle pour convaincre le frère de venir avec soi. Ils ont fait le tour des tontines pour convaincre la sœur pour venir avec soi. Donc, ce n'était plus les arguments politiques purs qu'on mettait en avant. Vous allez me dire que c'est aussi ça, la politique. Non, on mettait les trucs d'affinité ethnique pour dire, vous savez, c'est quand même votre frère qui va être maire ou bien député, etc., etc. Donc, je suis convaincu que ce soir, les tontines, les réunions de quartier vont donner des consignes de vote. Uniquement sur cet aspect-là. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a des dynamiques qui étaient valables pour la présidentielle, qui ne seront pas forcément valables pour cette élection-ci. Et Christelle, pour une fois, je suis d'accord avec lui, vous avez dit quelque chose, il faut faire attention. Il ne faut pas confondre militants et sympathisants. Il y a des courants d'opinion pour une élection qui peuvent se dégager pour Guy, parce qu'on estime que, bon, dis donc, on en a marre de voir le vieux passer un passant d'homme, c'est Guy qu'on veut cette fois-ci. Mais cela ne veut dire pas que ces gens-là sont des militants. Bien entendu. Donc, le moment venu, ils peuvent changer en fonction du climat sociopolitique, de l'environnement. Donc, on va aussi avoir ces cas-là pendant cette élection. Et je suis convaincu qu'au lieu de parler de 14% des gens qui ont voté pour Kamto, il faut te parler de la dynamique qui peut être déclenchée et qui vont permettre que peut-être mon ami Mbadakane de NMP soit élu au niveau de la deuxième, même si, il faut qu'on se dise la vérité, ça ne va pas changer grand-chose sur le chiquet national des élections municipales, ça ne va pas chambler, ça va rien chambler du tout. Mais il peut y avoir des dynamiques, les gens peuvent dire, bon, de toute façon, on en a marre, comme lui-même l'avait dit, que ce soit toujours les membres de la même famille qui soient à la tête de cet exécutif municipal, nous avons besoin de quelqu'un de neuf, et pourquoi pas Mbadakane et son NMP, pourquoi pas. Mais une fois de plus encore, maintenant je vais vous dire la vérité, une des raisons qui m'amène à boycotter cette élection, ce n'est pas le vote là, votre bulletin que vous déposez dans l'une qui est décisif. C'est où est-ce que le RDPC a décidé de laisser passer. Si le RDPC décide de conserver l'exécutif municipal à le deuxième, ça se fera. Je vous le dis déjà d'emblée, c'est ma conviction intime parce que j'ai observé, j'ai analysé, j'ai vécu, n'oubliez pas que, contrairement à ce que vous pensez, j'ai été dans les élections en 2007 où j'étais directeur de campagne, moi je n'étais pas candidat, je n'ai jamais accepté, mais où j'ai vu M. Zung en casser les urnes, hein, parce que un certain arrangement qui avait été fait dans le noir n'avait pas été respecté par rapport à ce qu'il voyait. On sait très bien comment ça se passe, ces histoires-là. Donc je continue de dire, tant qu'on n'assainit pas ce climat-là, on n'assainit pas, n'est-ce pas, cet espace de telle manière que les gens soient sûrs qu'on va avoir des élections crédibles, oui. Et là, je suis d'accord avec vous, les éléments subjectifs comme le village, les éléments subjectifs comme le quartier, comme l'ami, indépendamment du programme politique qui devait être la chose sur laquelle on devait le plus se focaliser, vont prendre le dessus. Et je suis désolé de vous dire qu'on aura des candidats qui seront élus sur cette base-là. Et c'est ça qui est regrettable au niveau du jeu politique pour l'instant, parce que justement, les choses ne sont pas encore assez assainies. Alors, on va repartir au standard, donner la parole aux téléspectateurs, et nous reviendrons sur le plateau pour poursuivre avec les analyses. Voilà, on a un appelant. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, on va d'abord revenir sur le plateau avant de vous écouter un peu plus tard autour de ce double scrutin législatif et municipal au Cameroun. Alors, on a littéralement fait le tour de ce boycott qui avait été lancé par le MRC. On voit très bien que les militants du MRC ont été extrêmement courtisés pendant la campagne et pourraient être mobilisés, on l'a dit tout à l'heure, notamment sur une base identitaire ou bien sur une toute autre, en fonction de certaines appartenances, même corporelles.
collaborative qui pourrait donc conduire ces derniers à se mobiliser. Maintenant, pour ce qui est de la surveillance et de la fiabilité même du scrutin, André Christophe Angan, on a entendu les candidats énormément mettre en garde les autorités administratives quant à une éventuelle, quant à d'éventuels cas de fraude. On a même d'ailleurs suivi Banda Kani, le président du nouveau mouvement populaire, dire clairement, mettre en garde clairement l'exécutif municipal de Douala Deuxième quant à une éventuelle fraude. Mais je pense que il faut d'abord dire une chose qui est claire. L'élection, c'est sur la base tribale au Cameroun. C'est sur la base familiale, c'est sur la base des connaissances, des affinités, sur la base corporatiste. Parce que quand vous regardez aujourd'hui... Et dans de nombreux pays africains aujourd'hui, il faut le dire. Oui. C'est partout, même dans le monde, parce qu'il n'y a pas de démocratie, cher ami, selon la démocratie inventée par l'Occident. Parce que vous ne pouvez pas voir, ou juste une légère digression, en démocratie, vous ne pouvez pas voir le mari être candidat, la femme aussi est candidat dans la même élection. Vous comprenez? Donc ça va de père en fils, comme aux États-Unis, un peu de partout. En France, ça s'est fait. Où on a vu Mme Ségolène Royal, ancienne épouse de M. François Hollande, candidat à l'élection présidentielle. Hollande lui-même était candidat à l'élection présidentielle. Donc, ces choses-là se passent là-bas. Donc, ce n'est pas en réalité des vraies démocraties, comme nous le disons. Donc, nous pensons aujourd'hui que quand ces gens prennent des dispositions pour protéger leur vote, parce qu'en réalité, c'est la protection du vote des Camerounais, des gens qui sont allés jeter un bulletin dans l'urne. Si les autorités qui... D'ailleurs, même les autorités ne sont pas trop impliquées aujourd'hui dans le processus électoral parce que c'est l'ECAM qui a toute la charge. Les autorités administratives n'ont que la protection, c'est-à-dire mettre à la disposition de l'ECAM des hommes en tenue, aux policiers, gendarmes et tout le reste pour encadrer l'élection. Donc, nous pensons aujourd'hui que c'est les Camerounais, les partis politiques eux-mêmes qui doivent protéger leur vote. Parce que je me rappelle d'un fait politique quand même. Le SDF à Douala 3e lors de la dernière élection municipale, où j'ai vu une forte mobilisation de ces partis-là qui sont allés partout pour protéger leur vote. Malgré qu'aujourd'hui, c'est des regrets, parce que le maire qui est sortant est là, n'a pas produit de très grands résultats aujourd'hui, et où d'ailleurs un jeune est candidat à Douala 3e, M. Toka Brostan, qui est du RDPC, qui est un jeune près de 40 ans, qui est en train de faire vraiment des merveilles dans cet arrondissement-là, et qui est prêt à déboulonner ce SDF qui a passé près de 7 ans sans produire de résultats. Donc, nous pensons aujourd'hui que le président Banda Kani a pleinement raison. Il faut que les partis politiques, et d'ailleurs j'ai appris qu'il y a un candidat du SDF qui a créé une brigade anti-fraude, quelque part, une dénomination un peu pareille. Donc, pour dire que il y a des fraudes, et tous fraudent. Ce n'est pas seulement le parti au pouvoir qui fraude. Même les partis d'opposition fraudent aux élections. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une élection présidentielle, il faut se le dire. C'est une élection de proximité. Ça veut dire que chacun a ses instruments. Et la fraude fait partie des instruments des partis politiques pour gagner cette élection de proximité, en dehors des programmes politiques. Donc, il est très urgent et il est très important que chaque Camerounais puisse protéger son vote. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus légitime que l'individu ou bien l'électeur. C'est ça notre plus grand problème aujourd'hui, que le vote soit protégé. Et moi-même, je suis très d'accord avec ça. Que le vote soit protégé, le vote des Camerounais soit protégé. Et que les autorités qui, parfois, manipulent à la fin, souvent le résultat des votes, aujourd'hui ne soient plus tellement impliquées dans le processus. Qu'on les mette à la disposition de l'ECAM, qui est un organe indépendant. Et d'ailleurs, je profite pour rappeler à monsieur, qui a appelé là, je crois c'est Kwangem, qui a parlé que c'est le parti au pouvoir, ou bien le président Paul Biya qui fait à cause de son travail, qui crée le boycott. Mais non, il faut se le dire clairement, chaque chose a son temps. Je pense que le programme politique du président de la République aujourd'hui est en train de produire des résultats. Si on a vu une forte mobilisation de la jeunesse aujourd'hui, c'est parce que le président de la République tient un discours en disant à la jeunesse « Osez crier, innover », je crois que c'était le 10 février 2011, où il disait à la jeunesse de crier « Osez innover ». Aujourd'hui, cette jeunesse-là, aujourd'hui, nous voyons l'apparition dans la scène politique des jeunes, comme Cabral Lévy, nous voyons Serge Espoir Matomba, nous voyons ces grands leaders aujourd'hui qui sont devenus des figures de proue de cette élection. Nous voyons Carlos Ngualem aujourd'hui. Nous voyons ces jeunes-là vraiment qui ont pris le devant de la scène, qui sont intéressés à la chose politique. Et quand vous regardez la plupart des listes
que ça soit législatif ou municipal, que ça soit de l'opposition, que ça soit au parti du pouvoir. Et d'ailleurs, même le président de la République, dans sa circulaire, le président national, je vous l'ai dit, du RDPC, a dit dans sa circulaire, il faut de nouveaux visages, promouvoir le genre et la jeunesse. Et c'est ce qui est vu aujourd'hui dans ce programme politique-là. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, cette jeunesse n'est pas prise en compte. Donc, il faut que les gens puissent comprendre que la jeunesse a pris le pouvoir et c'est cette jeunesse-là qui doit... Voilà, mais je voudrais que nous puissions rester sur ces alertes à la fraude. De nombreux candidats ont averti, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, a averti à la fraude. Alors, passion parfaite d'homme, pourquoi autant d'alertes dans cette élection à la fraude? Même du côté de certains alliés du RDPC. Non, je commencerai d'abord par dire à mon ami Christelle de ne quand même pas être excessif. On nous parle, c'est comme s'il y avait un tsunami qui va se produire au niveau de l'échiquier politique au Cameroun. Pas du tout. Cette élection sera encore dominée de bout en bout par le RDPC qui va conserver cette majorité obèse et à l'Assemblée et dans les exécutifs municipaux. Tu sais très bien, il n'y aura pas quelque chose de fondamental qui va se faire. Le parti de mon ami Bandakani ne va se présenter que dans deux circonscriptions. On a plus de 300 pour les municipales. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas en quoi on va avoir un changement important. Les autres partis politiques de l'opposition réunis ne vont pas se présenter dans 150 circonscriptions. Donc, vous voyez que ça ne sert à rien. Quand je le dis dans 150, avec les mêmes partis qui vont compétir dans les mêmes circonscriptions en plus. Donc, il n'y aura rien d'extraordinaire qui se passe. Le RDPC continue de contrôler les jeux de bout en bout, donc il n'y aura rien d'important qui va se produire. Certes, on a vu des jeunes visages dans certains partis d'opposition, bon, qui font rêver, d'autres vendent leur gueule, d'autres essaient d'aller au charbon pour puiser au fond de leur trip pour proposer des choses. On l'a vu. J'ai dit, bon, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas... Le Cameroun n'a pas une carence de personnel, en termes, que ce soit jeune, en termes de proposition. Ce n'est pas là le problème. Le problème est au niveau de la machine qui organise des élections, le problème au niveau des lois qui encadrent ces élections. C'est là où il y a le problème. Si on ne dégoupille pas, n'est-ce pas, ces deux gros blocages, je peux vous dire qu'on va continuer à avoir des élections où il y a des you-you de gauche à droite, mais dans le fond, il n'y aura rien de concret. Alors, pour ce qui concerne la fraude électorale, je suis très amusé de voir les alliés du RDPC hier qui ont cravaché dur pour nous démontrer que le candidat de RDPC, président de RDPC en plus, était la meilleure option possible. On validait les élections qui sont passées, je parle des présidentielles, en nous disant que c'était la meilleure chose. Ils viennent nous parler de fraude aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'implicitement, ils sont en train de nous expliquer que leur champion a gagné hier par le biais de la fraude. C'est très dangereux. Au niveau de la cohérence de ces individus, mais au niveau aussi de la morale. N'est-ce pas, que nous donnons comme ça, que nous donnons un spectacle comme ça aux yeux du monde entier. Comment on peut soutenir le candidat d'un parti hier, soutenir des élections hier, dire que tout s'est bien passé, c'était nickel, c'était. Et venir nous dire aujourd'hui que les mêmes institutions, la même Elecam qui organise ces élections-là, il y a un parti au pouvoir dont on a soutenu le candidat qui va frauder. Il y a quelque chose d'incohérent là-dedans. Donc moi, je continue de dire aux gens, quand vous embrassez une logique, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas à un moment donné, parce que maintenant, vous voyez que les vergers risquent de se retourner contre vous, commencer à donner des d'allumer des contre-feux. Ce n'est pas du tout bon pour vous-même, pour votre propre crédibilité. Donc, si vous avez décidé d'embrasser, n'est-ce pas, cette culture et cette dynamique de RDPC telle qu'elle se présente, il faut boire le vin jusqu'à la lie. N'essayez pas de faire croire autre chose aujourd'hui pour préparer l'argument pour votre défaite future qui est certainement annoncé. Voilà, alors vous avez bien fait vous-même de le dire, le contexte n'est pas le même. Voilà, les alliances d'hier parfois ne tiennent pas aujourd'hui, etc. Mais les dynamiques sont les mêmes. Bien entendu. Je voudrais Comment le RDPC a fait pour gagner avec ce score fleuve si aujourd'hui. Les mêmes qui soutenaient que tout s'est bien passé nous disent que non, les gens fraudent. Alors, je voudrais que nous puissions nous intéresser maintenant à la surveillance même du vote. Si on prend une circonscription comme celle de Voury-Est, à moins que je me trompe, c'est à peu près 540 bureaux de vote. Donc cela voudrait dire 540 observateurs pour les législatives et 540 observateurs pour les municipales, pour un parti par exemple comme le SDF qui a une liste. Non, je pense pas. Je pense que les observateurs seront dans la même salle. Il y aura deux urnes. Un isoloir. Quand vous sortez votre isoloir, il y a une urne.
pour les municipales, il y a le tribunal pour les. Alors, nous avons suivi le candidat du SDF d'ailleurs sur les antennes de la télévision panafricaine qui nous a fait comprendre que le SDF prévoyait deux observateurs par bureau de vote, un observateur pour les élections législatives et un observateur pour les élections municipales. Il nous a parlé de 540 bureaux de vote pour ce qui est de l'arrondissement de Douala 5e. Alors, du coup, on se demande, est-ce que réellement les partis politiques aujourd'hui ont les moyens pour, enfin, au moins dans les circonscriptions où ils sont candidats, de pouvoir observer le scrutin, de pouvoir garantir la transparence par leur présence dans les bureaux de vote. Parce que 1000 personnes à mobiliser pour une journée électorale, ça reste quand même assez draconien. Connaissant les moyens de ces partis politiques. C'est une autre incongruité qui montre quand même qu'on n'est pas des élections crédibles dans ce pays. On n'a pas besoin forcément pour des gens qui sont habités par le fair play d'avoir des ministres gendarmes dans les bureaux de vote pour certifier la crédibilité du vote. À partir de ce moment, on introduit ça. Cela signifie qu'il y a anguille sur roche. Vous voyez. Maintenant, pour ces partis dits d'opposition là, connaissant la limite de leurs moyens, s'ils étaient des gens sérieux, ils auraient dû fédérer leurs forces en se disant, par exemple, dans un bureau de vote tel où je sais que, par exemple, les SIF ont une capacité de mettre dans le bureau de vote des scrutateurs. On laisse dans ce bureau de vote A les élèves le faire. Dans le bureau de vote B, ça peut être le PADEC, c'est comme ça, ça va réduire la pression qui a souvent sur les partis politiques pour trouver justement ces fameux scrutateurs des élections. Parce que c'est un autre casse-tête. Quand vous avez fait le random que vous avez vu là, le second casse-tête, c'est trouver des scrutateurs pour mettre dans les différents bureaux de vote. Rédiger les 540 mandats déjà à déposer à l'ECAM également. C'est ce que je vous dis. Pour les directions de campagne là, des candidats, c'est un casse-tête pas possible. Je fais une confidence. Hier soir, j'ai un ami qui m'appelle parce que le film me dit parfait. Je sais que tu es pour le boycott, mais s'il te plaît, essaie de nous trouver tes gars pour nous aider à contrôler le vote. Vous voyez, les gens ne s'en sortent pas. C'est trop compliqué. Et il n'y a que le RDPC qui peut bien s'en sortir. Vous savez pourquoi? Parce que le président du bureau de vote, déjà, pour la plupart des temps, c'est un militant du RDPC. Ce sont des gens qui sont pris dans l'administration locale, des préfectures ou bien des écoles qu'ils maîtrisent, des lycées et collèges, qui sont déjà à leur disposition. Voilà. C'est à l'opposition de régler cette équation. Et la meilleure manière, à mon sens, pour l'opposition de pouvoir régler cette équation, c'est de fédérer leurs forces. Malheureusement, s'ils n'ont pas pu fédérer leurs forces pour avoir les listes consensuelles sur l'ensemble du territoire national, ce n'est pas à ce niveau qu'ils vont finir par produire la magie. Mais c'est ça l'idéal. Pour minimiser les énergies, mais ça prend aussi de l'argent. Hein. N'oubliez pas que ces gars qui sont dans ces bureaux de vote, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils paient les transports, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis, l'élection au Cameroun, c'est une grosse escroquerie. Parce qu'il n'y a que les forces qui ont l'argent qui peuvent compétir. Ce n'est pas la volonté de servir le peuple comme un avant. Ce sont les forces de l'argent qui imposent quel est le candidat qui doit passer ou bien qui doit être qui doit compétir, autant pour moi. Donc c'est ça qui est dramatique dans ce que nous vivons et que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Les cautions électorales, pour les municipales, il faut 50 000. Vous avez, j'avais fait le calcul avec une analyse de toutes ces élections. Pour les législatives, c'est 1 million. Quand on prend en plus de cela, les faits de dossier, vous vous souvenez, les gens qui doivent aller faire le bulletin numéro 3, je ne sais pas, à Menganga, et le transport que ça coûte, c'est tout un investissement. Sans compter maintenant la campagne elle-même, sans compter les scrutateurs, sans compter après les commissions départementales, etc., etc. C'est un investissement énorme que pour l'instant ne peut que seul le RDPC pour l'instant peut produire. Si les oppositions ne continuent pas, je préfère même les oppositions, de fédérer leurs forces pour essayer de contrer suffisamment cette machine à broyer qu'est le RDPC, je crois que nous ne serons pas surpris des élections qui vont sortir les unes bientôt. André Christel Fanga, le casse-tête des observateurs dans les bureaux de vote au RDPC, cela ne pose pas problème parce que chaque circonscription a été divisée en secteurs. Dans chaque secteur, on a un candidat qui porte le secteur et donc qui constitue directement les mandats, par exemple, pour ces scrutateurs-là. Et donc, c'est très facile là-bas. Alors, comment faire côté opposition pour pouvoir avoir effectivement pour garantir une présence dans les bureaux de vote? Ben, je pense que c'est la première des conditions quand vous décidez d'aller à une élection, la capacité d'avoir des scrutateurs dans les bureaux de vote.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est la faiblesse un peu de l'opposition. Et justement, je crois que je suis d'accord avec les propos de Parfendom qui demande une coalition véritable, parce que trouver 500 personnes à nourrir chaque jour, En une journée. Si on va sur la base, par exemple, de 10 000 francs CFA par personne, vous voyez déjà que cela est très, très est hors de portée de nombreux partis politiques d'opposition. C'est clair, c'est exactement ça. Donc, nous pensons aujourd'hui que l'opposition a besoin de se structurer. Et je ne vois pas véritablement, faites les statistiques dans toutes les élections démocratiques, pour gagner le parti au pouvoir, que ce soit les élections municipales, ou bien législatives, ou bien présidentielles, ou sénatoriales, il faut une coalition. Vous ne pouvez pas gagner le parti au pouvoir parce que le parti au pouvoir a des éléments assez importants, ou bien, comme aime bien dire le RDP, le parti proche du pouvoir, vous comprenez un peu, donc, pour faire la différence entre le pouvoir et le parti. Donc, quand vous avez des partis qui sont au pouvoir, ils ont d'abord l'administration centrale. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu le fort déploiement des ministres avec le carburant de l'État, avec les moyens de l'État, avec les gendarmes de l'État, avec alors, l'arsenal nécessaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a d'ailleurs qui a animé un meeting en marge d'une visite de travail justement à Douala. Certains avaient décrié cela en disant que finalement la visite de travail n'était qu'un prétexte pour soutenir les candidats du RDPC dans la région du littoral. Mais je pense qu'il y avait, dans son programme, c'était bien divisé. Il y avait deux aspects de son programme. La visite, d'abord, vous savez que le Cameroun organise des compétitions importantes africaines, le CHAN et la CAN, dont il faut remobiliser justement les acteurs. La visite le matin et le meeting à midi. À midi. Donc, voilà. Je pense qu'une pierre deux coups, ce n'est pas mauvais. C'est aussi des hommes politiques, on ne veut pas leur refuser ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, la grosse machine du pouvoir ne peut pas être broyé ou bien ne peut pas avoir un électrochoc avec des micro-partis qui n'ont pas beaucoup de militants, mais qui comptent plus sur les sympathisants. Vous comprenez un peu, parce que quand vous regardez aujourd'hui, la plupart des partis politiques n'ont pas beaucoup de militants, mais ont beaucoup de sympathisants. Des gens qui ne prennent pas une carte dans leur... parce que les partis vivent des cotisations, vivent des dons, vivent de plein de choses. Mais la plupart de ces partis-là n'ont pas véritablement des gens qui peuvent acheter une carte dans leur parti ou bien qui peuvent faire un don, mais qui vivent alors, des sympathisants. Vous n'avez pas toujours répondu à la question de mon point de vue, André-Christelle Fanga. Alors, comment résoudre le casse-tête des scrutateurs dans les bureaux de vote? Déjà, où trouver, comment mobiliser ces personnes-là et comment les entretenir durant cette journée électorale? Première des choses, il faut une coalition de l'opposition. Il est un peu tard quand même. Mais je dis, c'est tant pis pour eux, mais ils vont se retrouver, comme quelqu'un avait dit, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné une élection présidentielle alors que vous n'avez même pas de représentants dans certains bureaux de vote. Donc c'est quasiment impossible. Ça veut dire que vous n'êtes pas un parti structuré. Je pense qu'aujourd'hui, l'opposition a besoin de se structurer en matière d'élection parce que l'élection a trois dimensions. La phase de campagne, le jour de l'élection et la pré-élection. Vous devez avoir les hommes capables de suivre durant tout ce processus. C'est pour ça que c'est un processus. Ce n'est pas une affaire d'une journée ou bien de seulement de poser sa candidature. Non, il faut aussi des hommes pour vous accompagner après l'élection. Donc nous pensons aujourd'hui que les partis d'opposition ont besoin de mobiliser des moyens, mobiliser les hommes, mobiliser les ressources nécessaires pour faire face à cette grosse machine qui est le RDPC. Et il n'y a qu'une coalition, il n'y a que l'entente, vous comprenez un peu. Et d'ailleurs, nous avons vu une coalition au niveau des municipales, je crois que c'était c'est 2013, je crois, 2000, où le Jean-Jacques Ekindi a été député, parce qu'il y a eu une bonne coalition entre l'UDC et le MP, je crois à Vory Centre, où nous avons vu véritablement une forte mobilisation, où des gens ont veillé à ce que l'élection se passe dans de très bonnes conditions et protéger le vote. Et finalement, Jean-Jacques Ekindi est allé à l'Assemblée nationale. Il a eu les conseillers au niveau de la mairie de Douala Premier. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'une coalition véritable de ces partis, parce que vous n'allez pas me dire que si le NMP de Bandakani, le SDF, l'UDC, le MP se mettent ensemble
dans une mairie, dans un arrondissement, et que le RDPC va s'en solidar, Alors, je ne crois pas. Est-ce qu'en se mettant ensemble, ils pourraient déjà dégager les 1640 scrutateurs? Bien sûr, c'est automatique. Pour les 1640 bureaux de vote, par exemple, à Douala 5e. C'est automatique, monsieur Fondop. Vous ne pouvez pas coaliser sans que vous n'ayez des hommes. Parce que quand ces partis se coalisent, ça veut dire que c'est des hommes qui viennent ensemble. Vous comprenez un peu? Si j'avais 100, l'autre à 200, l'autre à 300, l'autre à 50, nous nous mettons ensemble et nous arrivons à résoudre le problème des 500. Nous pensons aujourd'hui que c'est la faiblesse de ces partis politiques-là. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire la différence entre un sympathisant, vous comprenez un peu, et un militant. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des partis politiques ont les sympathisants et non les militants. Et c'est pour ça que les 14% que vous avez parlé tout à l'heure de l'électorat, la plupart c'était des sympathisants. Parce que si vous allez dans les fichiers Demeure pas moi qu'il s'agit d'un électorat qui doit être considéré et donc qui doit être discuté. D'ailleurs, les candidats en ont pleinement conscience. On a suivi les meetings. C'est ce qu'on essaie d'expliquer, monsieur Guy Fondop, pour dire que les candidats aujourd'hui doivent aller convaincre ces sympathisants qui ont de l'amour pour un certain parti ou bien d'un certain programme politique ou bien d'un individu. Vous comprenez un peu, d'une personnalité qui s'est présenté à une élection présidentielle. Aujourd'hui, les différents candidats doivent venir me convaincre, moi. Et doivent surtout surveiller le vote. On sait que c'est une préoccupation majeure chez les candidats. Déjà, si vous êtes déjà sympathisant et que vous êtes convaincu par un candidat, vous serez obligé d'aller surveiller le vote. Vous serez scrutateur dans un bureau de vote où vous votez si vous trouvez qu'il n'y a pas de... Parce que l'une des choses que les gens ne remarquent pas beaucoup, il y a souvent dans certains bureaux, parce que l'un des systèmes de fraude, c'est simplement ne pas mettre les bulletins d'autres partis politiques. Et si personne n'est là pour surveiller, pour de se rassurer que votre bulletin, ou bien vous appelez ça quoi, monsieur Parfum, les bulletins de vote de certains partis politiques ne sont pas dans les bureaux de vote. C'est simplement ça, comment on fraude. On enlève ça, on met de côté, on met seulement ça se retrouve seulement les bulletins du RDPC ou bien du parti qui a son scrutateur ou bien d'un représentant dans le bureau de vote. C'est un peu ça l'une des stratégies que le parti au pouvoir arrive souvent à frauder dans certains cas. Donc, si aujourd'hui, ces partis-là ne se mettent pas ensemble pour dire que aujourd'hui nous avons un intérêt, c'est de sauver l'arrondissement, c'est de sauver notre circonscription électorale. Alors il faut que nous nous mobilisons, nous mettons des hommes. Sinon, on n'aura pas de résultat parce qu'en réalité, vous pouvez avoir un vote. On peut vous voter. On peut, mais le vote est détourné parce que vous manquez de personnel, vous manquez de personnes dans les bureaux de vote qui peuvent surveiller votre vote et qui peuvent même lire au tableau lors des décomptes. Parce qu'en réalité, vous pouvez même avoir du personnel dans les bureaux de vote, mais qui ne sont pas qualifiés. Vous comprenez un peu qu'ils ne peuvent pas savoir que aujourd'hui, voilà comment faire le décompte dans un bureau de vote. On va bientôt sortir de cette émission. D'élection. On va bientôt sortir de cette émission, patient parfait. Donc, est-ce qu'on va dire finalement que le RDPC aura la lourde responsabilité dans des milliers de bureaux de vote, dans des centaines de milliers de bureaux de vote et d'assurer la surveillance également pour les partis d'opposition? Alors vous êtes vraiment ironique. Non, je pense que non. Parce que tout à l'heure sur le plateau, il semble évident que les partis politiques d'opposition ne pourront avoir suffisamment de scrutateurs pour veiller à protéger leurs intérêts dans les différents bureaux de vote. C'est pas possible pendant la présidentielle. Bon, moi j'étais très étonné, j'ai entendu là-dedans dire qu'ils avaient un homme suffisamment de PV, ça m'a beaucoup fait rire. Moi, j'ai vu des bureaux de vote où il n'y avait pas de représentants de l'opposition. Pour la présidentielle, il fallait avoir à peu près 24 000 PV. Avoir des scrutateurs dans peu près 24 000 bureaux de vote. Et je me demandais comment ça se passe. Et le responsable du bureau de vote disait non, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer, on va diligenter les PV au niveau de l'ICAM. Tout le monde, Christelle vient de lever une petite pichenette, comment on triche pendant ces moments-là. On sait que ça ne se passe pas comme ça. Bon, je pense tout simplement que ça va être assez compliqué ce que nous allons voir. Le RDPC est en roue libre, comme je le disais tantôt. Cette élection est sûrement un prétexte pour redistribuer des prébendes, n'est-ce pas, à un certain nombre, les nouveaux opérateurs, entrepreneurs politiques qui vendent du vent aux gens. Ils ne pourront rien faire d'exceptionnel parce que cette élection est déjà bouclée.
parce que il suffit de voir les chiffres, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes, est déjà bouclé. Ce n'est pas parce que par là il y aura quelques saupoudrages, on va laisser quelques gens avoir quelques conseils municipaux, peut-être même quelques mains, un ou deux députés par là, que ça va chambouler, n'est-ce pas, la structure, n'est-ce pas, de la composition de ces représentations politiques. Je vous rappelle déjà que pour l'Assemblée, l'Assemblée sortante, le RDPC avait 80% des députés. Je dis bien 80%. Que peut faire l'opposition dans une assemblée pareille? Avant d'aller à ces élections, il y a des zones, je prends par exemple dans le Mkam, où un grand débatteur de télé est même déjà élu, parce qu'il n'aura pas de rien. Ici, à côté, à Yabassi, il sera seul, il n'aura pas d'opposition en face de lui. Donc, quand je prends ces exemples-là, le RDPC a déjà près de 143 députés qui sont déjà élus, faute de compétiteurs en face. Donc, voilà la réalité des élections au Cameroun, pour l'instant. Les cautions, c'est un sens électoral. Les conditions d'élection, c'est tout un problème. Les choses sont tellement mal organisées et sont dans un cafouillage où, c'est-à-dire que j'appelle ça dans un désordre bien organisé par le RDPC où personne ne peut les battre sur ce jeu-là. Il faut que l'opposition essaie de ramener bas la terre et d'imposer de nouvelles règles de jeu. C'est ce que j'ai dit ici pendant les présidentielles. On m'a dit que j'étais un doux rêveur. Et les gens qui sont allés là, ils ont vu ce que ça a donné. Donc, pour ceux qui sont actuellement là, on nous dit, oui, si tel est élu, ça va apporter du neuf, de l'oxygène, je ne sais pas, la démocratie camerounaise. En quoi? Si vous avez 5 conseils municipaux dans une commune comme Douala 5e, qui en compte 61, qu'est-ce que ça va apporter de fondamental comme changement? Donc, il faut faire attention. Je continue de dire que c'est le saupoudrage. Les élections au Cameroun sont encore l'un des moments de corruption essentiels de la classe politique, de la prétendue classe politique camerounaise, qui continue de ne pas vouloir complètement bousculer ce système pour imposer de nouvelles règles de jeu, un nouveau système pour notre pays et pour l'Afrique. Merci à vous, Patient Parfait d'Homme. André-Christophe Fanga, on va sortir avec vous en une seule minute. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Mais je voulais dire aux Camerounais d'aller véritablement voter parce que le changement n'est pas forcément parce que c'est le parti d'opposition qui va arriver au pouvoir. Non. Je crois qu'il y a des hommes neufs, vous comprenez un peu, qui peuvent apporter quelque chose dans la gouvernance locale. Et c'est dans la gouvernance locale ou bien qu'à l'Assemblée nationale parce que nous avons la capacité d'apporter le changement même de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, le RDPC a déjà une bonne position ou bien une marge de la majorité. Et je pense que ces hommes neufs, avec des idées neuves, et comme le président de la République lui-même l'a dit dans l'un de ses discours, aujourd'hui, nous sommes en train de construire un Cameroun nouveau. Et ce Cameroun nouveau-là commence avec des hommes nouveaux. Et je pense que dans l'arrondissement où moi je suis à Douala 3e, d'ailleurs, nous voyons quand même des jeunes se démarquer, qui veulent faire quelque chose, parce que nous avons vu le jeune Rostand Tokam faire des choses assez importantes, le candidat était de liste RDPC de là-bas, faire des choses importantes pour les jeunes, cet arrondissement-là. Donc, nous pensons aujourd'hui que nous devons implémenter, nous devons nous intéresser à cette chose politique-là et nous devons aller jusqu'au bout. Même s'il faut renverser le RDPC de l'intérieur, parce qu'en réalité, il y a des caciques dans le système qui ne veulent pas que la chose change, mais nous pouvons changer la donne si exactement, cette jeunesse se mobilise en disant, ben non, nous voulons aussi, et d'ailleurs, Ibrahim Bobo Dioya l'a dit dans son discours, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour une transition paisible entre les parents et la jeunesse. Mais ce n'est pas avec la force. Il faut mouler cette jeunesse. Et je pense que le parti au pouvoir a mis des jeunes à l'étrier, le pied à l'étrier pour qu'ils puissent travailler pour faire leur preuve aujourd'hui. Donc, très bonne élection à tout le monde et que le meilleur gagne dans de certaines circonscriptions où l'opposition est représentée. D'ailleurs, dire que ça ne fait que commencer. Merci à vous, André-Christophe Fanga, directeur de publication des Dépêches de Midi. Merci à Patient Parfait d'Homme, notre analyste politique de ce matin. Et pour vous, à la maison, ça ne fait que commencer. La journée de vote des Camerounais, c'est demain. Nous serons sur le terrain, bien entendu, pour vous permettre de vivre cela, de vivre également le dépouillement en soirée et pourquoi pas les rappeler qu'il s'agit des locales. Donc les résultats ne se feront pas attendre. Voilà. Bien sûr, je crois que si vous votez à 18h après le dépouillement d'ici 19h, vous savez qui est élu le maire de votre arrondissement. Donc, c'est facile donc, que des Camerounais. Et ça, c'est une invite à tous les jeunes. Vous comprenez un peu. Vous allez choisir des personnes
dans votre arrondissement qui vont être des maires, des députés, des conseillers municipaux. Véritablement, mobilisez-vous d'abord pour aller voter. Et deuxièmement, veillez à ce que le vote que vous avez fait puisse être celui-là qui va aller dans les cahiers des Merci, États. Merci à vous. On n'ira pas plus loin dans cette édition. Merci à vous. Merci également donc aux téléspectateurs. Voilà, demain matin, mettez-vous déjà devant votre antenne et bien sûr, vous aurez le déroulé de la journée et bien entendu les analyses en fin de soirée. Merci. Afrique, Canada, Afrique, indépendance.